Ah, bon matin! Bon matin tout le monde. Oui, je dis bon matin parce que vous êtes probablement samedi matin, pour enfin écouter ce premier épisode de la balado de Fred Savard, saison 3. Mon Dieu que je suis content de vous retrouver. On s'est parlé dans les dernières semaines, c'était des petits épisodes pour vous parler un peu de l'élaboration de la saison et de la campagne. Mais là, c'est vrai, c'est le premier épisode de la balado. Là, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, entre autres cet été, mais ce printemps. Et là, bon, on le sait, on est en deuxième vague, on va en parler un peu plus tard, deuxième vague de COVID. L'année passée, on a beaucoup, beaucoup parlé de la COVID à la balado. C'était une situation inédite. Je pense que ça s'imposait. Mais là, il y a des gens qui commencent à être un peu tannés, moi inclus. C'est comme plus difficile, là. On rentre dans un nouveau confinement partiel pour l'instant. Et on vous a écouté dans ces courriels-là pour essayer cette année, entre autres, de vous offrir une couverture de la COVID, oui, mais de beaucoup d'autres choses aussi, qu'on élargisse, qu'on reste pas le nez collé, dans le fond, sur la pandémie. Puis on est tout à fait d'accord avec vous. On va vous écouter. D'ailleurs, aujourd'hui, on reprend. Quelque chose que j'avais un peu laissé de côté à cause de la pandémie, les interviews avec des essayistes, entre autres, parce que c'est une partie importante de cette balado-là que j'aime beaucoup, beaucoup faire des entrevues avec... j'aime beaucoup lire des essais et d'inviter les auteurs, les essayistes pour en parler. Alors, on reprend les entrevues dès cet épisode-ci avec Alexandre Poulain, jeune héritier politique. Son livre s'appelle comme ça, Un désir d'achèvement, réflexion d'un héritier politique. Donc, ça va être sur l'identité québécoise, sur notre rapport à l'histoire, entre autres. Et c'est très intéressant, un peu touffu, il est vrai, mais qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et on va parler à Alexandre Poulain un peu plus tard. Bon, l'an dernier, on avait des sorties prévues. Ça n'a pas été possible avec la pandémie, parce que ça aussi, ça fait partie de ce projet-là, d'aller parler d'actualité en région, entre autres. Et les sorties, ils vont reprendre cette saison, mais ils vont se faire de façon plus virtuelle. On avait d'ailleurs, dans deux semaines, une sortie prévue à Val-d'Or, en Abitibi, pour l'événement 15-2, qui est un événement sur le jeu société, jeu vidéo, grand rassemblement ludique initié par le service culturel de la ville de Val-d'Or. J'ai plein d'amis là-bas, des amis de la balado, si on peut dire, puisqu'on y était allé à Val-d'Or il y a 2 ans. Et bon, donc l'événement comprenait conférences, expositions, streaming, balado, réflexion aussi sur le phénomène du jeu, sur le plan même plus sociologique, si on peut dire. C'était prévu, on va le faire quand même. Je vais vous donner les détails, c'est dans 2 semaines. Je vais vous donner les détails peut-être plus précisément la semaine prochaine, mais on sera là virtuellement avec eux. On va vous présenter cet épisode-là, j'ai bien hâte. On avait aussi... vous savez ce qui s'est passé, cet événement terrible, la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. On avait un épisode la semaine prochaine de prévu sur l'autochtonisation du Collège Antique. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé à la saison 1 avec Julie Gauthier, entre autres, qui était une des initiatrices avec la directrice du Collège Antique. Le point de départ, c'était le changement des noms d'équipe. On le sait, c'est une polémique qui a eu lieu, entre autres, à l'Université McGill, beaucoup aux États-Unis, mais l'autochtonisation du Collège Antique, c'est un processus beaucoup plus large. Puis, on n'en a pas beaucoup parlé de ça, des Autochtones, entre autres, à la balado, parce que c'est un sujet que je veux pas traiter à la légère, et c'est toujours important de trouver les bons interlocuteurs. Et là, cet épisode-là a été repoussé au mois de novembre. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Joliette, cela dit, mais on aurait abordé cet épisode-là de racisme systémique, entre autres, envers les Autochtones. Ça sera prévu le 20 novembre, l'épisode du 20 novembre. On va couvrir cet événement d'autochtonisation, cette réflexion aussi, parce que c'est vraiment une réflexion intéressante et c'est quand même dense comme processus. Ça ne concerne pas juste les équipes sportives. Et d'ailleurs, je veux revenir sur cette déclaration de François Legault cette semaine. Système ou un réseau de la santé, un hôpital qui permet de subsister des actes comme ceux-ci, des propos comme ceux-ci, est-ce que ce n'est pas dans la définition du racisme systémique ou du racisme institutionnel? Écoutez, moi, je pense qu'il y a du racisme au Québec. Il faut combattre ce racisme. L'infirmière, ce qu'elle a dit, c'est totalement inacceptable et c'est raciste et elle a été congédiée. Maintenant, de penser que toutes les infirmières ou que tout le système de la santé aurait eu cette réaction-là, tout le monde va dire, ben non,
Donc, ah, mon Dieu, que ça me... je trouve ça lourd de la part de François Legault, qui se vante d'être un gros lecteur. Il publie souvent sur Twitter, entre autres, ses lectures. Je dis pas que c'est pas un vrai lecteur, là, mais en même temps, je sais que ça, c'est sa... une carte qu'il veut mettre de l'avant beaucoup. Il aime la culture, il veut la promouvoir. Mais je trouve que pour quelqu'un qui lit beaucoup, ça serait peut-être intéressant qu'il s'arrête et prenne le temps de lire sur le racisme systémique et non pas le racisme systématique, parce que j'ai l'impression qu'on est encore un peu collectivement adolescent par rapport à cette notion-là. Puis François Legault véhicule cette idée-là que le racisme systémique, ça veut dire que tout le monde est raciste. C'est pas ça, puis on le sait que c'est pas ça. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui remettent en cause cette notion même de racisme systémique, mais là, avec ce qui s'est passé à l'hôpital de Joliette, et bien des intervenants l'ont dit, on était chanceux, on l'a eu la vidéo, parce que probablement que ces événements-là se passent très, très souvent. On n'en a pas conscience, évidemment, parce que c'est pas filmé. Donc, il y a sûrement une réflexion à avoir, je pense, de François Legault plus profonde. Et je dis pas qu'il est mal intentionné, mais je comprends qu'il y a une carte politique derrière ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de Québécois francophones qui ont de la difficulté avec cette notion-là. Mais mon Dieu, que j'en peux plus d'entendre tout le temps, quand aussitôt qu'on parle de racisme systémique, qui se braque. Non, 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 on n'est pas raciste. Tous les Québécois ne sont pas racistes. Oui, c'est pas ça, le racisme systémique. Bon, on aura l'occasion d'en revenir avec cet épisode-là que je vous parlais, qui aura lieu le 20 novembre, et on enverra peut-être des petits extraits à François Legault, humblement, pour qu'il assimile cette notion qui pourrait faire avancer la société du Québec à ce niveau-là. D'ailleurs, là, je lance une idée comme ça, qui est un peu loufoque. Si jamais c'était si vrai qu'il n'y avait pas de racisme systémique, et que dans le fond, ce qui est arrivé à Mme Échaquan n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit autochtone, peut-être qu'on pourrait se servir de ce qu'on entend sur la vidéo pour faire des publicités choc. On est en deuxième vague, le gouvernement nous rappelle que le système de santé est sur le bord d'imploser parce que la deuxième vague impose une grande pression. Ben, peut-être envoyer, faire une publicité sociétale pour nous inciter à ne pas tomber malade, pour ne pas tomber sur ce type d'infirmière-là. Puisqu'il n'y a pas de racisme systémique, on pourrait tous donc en être victime de ces propos-là. Et je sais très bien que ce n'est pas toutes les infirmières qui sont comme ça. Ne m'écrivez pas. Mais j'ai bien hâte qu'on avance un peu collectivement par rapport à ça. Bon, je vous l'avais dit, on est en deuxième zone. Montréal est en zone rouge. Pour l'instant, il y en a plusieurs autres. On ne va pas tout décortiquer de ce qui se passe. Sauf que il y a quelque chose qui m'a fatigué cette semaine, entre autres, avec le docteur Arruda. C'est cette conférence qu'il devait donner mardi le 6 octobre dans une activité de réseautage d'affaires qui avait invité docteur Arruda, et les gens membres de ce réseau d'affaires pouvaient poser des questions pendant 90 minutes au docteur Arruda. C'est organisé par le groupe Réseau, qui vend des forfaits annuels entre 250 et 2500 $. Donc, c'est des forfaits pour avoir accès à des activités de réseautage avec des conférenciers tout au long de l'année. Et Dr Arruda avait accepté de donner une conférence. Et là, il y a Patrick Derry, c'est un analyste de la chose publique. Il se présente un peu comme ça sur Twitter, entre autres, mais qui est très, très actif depuis la pandémie à décortiquer les chiffres, à offrir des tableaux. On l'entend parfois au 98.5 à l'émission de Patrick Lagacé. C'est lui qui sur Twitter a publié cette information-là. Et finalement, bon, il y a eu plusieurs étapes. On a annoncé que la conférence allait être gratuite, finalement, qu'on n'allait pas demander de s'abonner à ces forfaits-là pour entendre le Dr Arruda. Et là, finalement, ce matin, vendredi, là, j'enregistre cette introduction vendredi, ben, on a appris que la conférence avait été annulée. Et là, j'ai fait un post Facebook là-dessus. Il y a des gens qui m'ont accusé, évidemment, là, les cheerleaders du Dr Arruda, d'être de mauvaise foi. L'idée n'est pas de critiquer le fait que le Dr Arruda participe à une activité rémunérée, parce que je ne sais pas si c'était du bénévolat, mais en tout cas, on devait payer un forfait. C'est l'idée qu'on est en deuxième vague. C'est l'idée que la situation est critique. Le gouvernement nous le dit. On a fermé des pans complets d'économie, dont la culture. Puis là, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu des annonces pour... entre autres, le gouvernement s'engage à rembourser 75% des billets de spectacle qui étaient prévus pour des spectacles qui seront annulés à partir d'octobre jusqu'au mois, les six prochains mois. Bon, il y a des choses qui ont été faites, effectivement, mais depuis le début de cette pandémie-là, on a fermé beaucoup de secteurs de l'économie. Je ne veux pas remettre ça en cause, je ne veux pas... c'est pas ça le point, mais de savoir que le Dr Arruda,
qui est quand même le directeur de la santé publique, qui a décidé d'aller dans cette activité-là, qui est une activité privée d'une certaine façon, puisque c'était pas dans le cadre d'une conférence de presse. J'ai trouvé ça un peu douteux. Je trouve que ça envoie vraiment un message. On est vraiment dans une époque où les gens remettent en cause beaucoup la science, les prescriptions que nous envoie la santé publique, entre autres, sur cette pandémie-là, ce qu'il faut suivre. Et là, on a le directeur de la santé publique, qui est quand même une figure de proue de la cohésion qu'on doit avoir envers la pandémie, qui accepte cette activité-là. Je trouvais que c'était un manque de jugement, en fait, on va le dire comme ça. Et surtout que je me mets à la place des gens qui auraient assisté à cette conférence et qui auraient probablement entendu pendant 90 minutes le Dr Arruda répéter ce qu'il répète en point de presse, c'est-à-dire qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Il y a plusieurs facteurs à considérer. Nos équipes sont en train de se pencher sur la question. Ça fera partie d'une prochaine stratégie. C'est essentiellement ce qu'il nous répète dans les points de presse. Et là, il y a les partis d'opposition cette semaine qui ont demandé à la santé publique, au gouvernement, en fait, de publier les avis écrits de la santé publique depuis le début de la pandémie. Et visiblement, il n'y en a pas. Donc, rien n'a été mis sur papier de recommandation. Donc, ça se fait visiblement dans des réunions et c'est le politique qui dispose par la suite. Puis ça aussi, j'avoue que ça m'interpelle. Je n'ai pas une opinion développé à ce point sur le sujet, mais quand j'ai su ça, ça m'a interpellé. Ça laisse entendre, dans le fond, que la pandémie, les décisions sont prises essentiellement sous un angle politique. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu avec Godefroy plus tard, avec le cas de la Suède, entre autres. On va en parler un petit peu, mais on va pas juste parler de ça avec Godefroy. Mais voilà. Et j'en parle parce qu'on est en deuxième vague, parce qu'on demande vraiment des efforts énorme à la société québécoise sur le plan économique et au même moment. Et aussi, en fait, c'est surtout l'idée qu'on remet la crise sur le dos des individus, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on dirait qu'on esquinte un peu la responsabilité du gouvernement. On le sait, le traçage est encore déficient. Ça prend encore entre 7 et 10 jours pour beaucoup de gens d'avoir un résultat après avoir passé un test. Il y a des médecins qui commencent à avoir peur de manquer d'équipement, entre autres, dans certains hôpitaux. Et j'ajoute aussi le reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada du 24 septembre, où, entre autres, Marguerite Blais a fait ses déclarations sur son premier ministre, sur le gouvernement. Et en fait, je me demande, tu sais, on demande beaucoup aux gens là-dedans, puis c'est normal, mais j'aimerais que le gouvernement aussi fasse sa part de son côté, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un écran de fumée, c'est-à-dire qu'on dit que c'est grave, mais on remet pas en cause les pratiques gouvernementales. Ils avaient tout l'été pour se préparer à une deuxième vague, là, ça nous tombe pas du ciel, et on a l'impression qu'on est encore à prendre des décisions à la dernière minute, et même peut-être une ou deux semaines en retard tout le temps sur le virus. Et c'est ça qui ressort d'ailleurs du reportage d'enquête du 24 septembre. Je vous invite à aller voir ça. Puis il y a la presse aussi qui nous annonce, c'était hier, je crois, que les agences de placement aux pratiques douteuses qui étaient déjà identifiées par le gouvernement ont repris du service parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est pas la faute du gouvernement qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais quand même, avant d'en demander tant à la société, il faudrait vraiment que le gouvernement se pade, comme on dit en français, et s'assure que tout a été fait dans les règles de l'art, et on force est d'admettre que c'est peut-être plus ou moins le cas, puis que les défaillances du système font en sorte que la pandémie se poursuit, et que c'est peut-être pas tant que ça la faute des parties privées, parce qu'on n'a même pas de preuves, on n'a pas d'écrits, on n'a pas d'études de la santé publique qui prouvent, hors de tout doute, que c'est effectivement les parties privées qui ont causé ce début de deuxième vague. C'est probablement aussi la rentrée scolaire. Puis encore une fois, le Dr Arruda qui nous répète que le masque en classe, on ne sait pas trop, on va se pencher là-dessus. Puis je dis pas que c'est une solution magique, mais rappelez-vous les hésitations qu'il y a eu au printemps dernier sur le port du masque qui devait être faire partie d'une étiquette respiratoire. Je comprends là qu'on ne sait pas tout de cette pandémie-là et la science doit faire ses devoirs avant d'avancer des idées, mais de demander à des étudiants dans toutes les écoles du Québec de porter le masque, je suis pas certain que c'est à ce point discriminatoire qu'il faut attendre et que ça va empêcher les élèves d'apprendre et d'être bien à l'école si, en sortant de l'école, en ne portant pas le masque, ils répandent le virus de la COVID dans la société. En tout cas, c'est des questions qui se posent. Évidemment, je vais fouiller ça aussi. On va essayer de trouver les bonnes personnes pour en parler. Je sais que quand je parle de la COVID, en général, il y a des médecins, des infirmières qui nous écrivent, qui nous livrent des informations. Fait que je vous invite à le faire, à continuer de nourrir, en fait, cette balado-là.
niveau-là pour qu'on puisse comprendre vraiment, en plus de ce que les médias nous offrent, évidemment, et le gouvernement en point de presse, mais ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Il faut qu'on parle de Radio X, parce que cette semaine est arrivé quelque chose d'assez rigolo. En fait, moi, je fais jamais ça. Je n'écoute pas Radio X. Avec Olivier Niquet, à l'époque, à la soirée, lui, c'était son créneau, et j'arrêtais pas de dire « Comment tu fais pour écouter tant de Radio X toute la semaine et garder le moral? » Mais là, bon, on a appris en début de semaine que la Ville de Québec allait boycotter, en fait, n'allait plus acheter de publicité à Radio X. Évidemment, ça a été le tollé à Radio X. On parle de censure, on parle de liberté d'expression, que ce serait une valeur supposément importante dans cette radio privée. Il y a eu un mouvement par la suite, Hydro-Québec, Desjardins a retiré ses publicités, plusieurs autres publicitaires également. Moi, je trouve ça un peu hypocrite de ces organisations-là, parce que oui, là, on le sait qu'on est en crise grave de santé publique et qu'il fallait agir, possiblement, parce qu'à Radio X, évidemment, la liberté d'expression, ça implique d'inviter des complotistes, d'inviter des gens qui ne croient pas qu'il y a une pandémie. Je pense que c'est sain de se poser des questions, mais il y a une limite quand même. Je pense pas qu'on peut dire qu'il n'y a pas de pandémie du tout. Je suis désolé là, si des complotistes nous écoutent. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. On a fait la petite épuration l'an dernier. Il y en a qui se sont essayés, mais quand même, avant ça, Radio X aussi avait des propos parfois violents envers certaines personnes. Puis on se rappelle, Dominique Payette était venu nous en parler d'ailleurs à la saison 1 avec son livre Les brutes et la punaise, si ma mémoire est bonne sur le titre. Ils avancent des idées. Le climato-sceptisme est partout dans les interventions de cette radio-là. Puis on le sait, c'est à Québec qu'il y a le plus de climato-sceptiques. Donc peut-être que cette réserve, ce fameux libre marché de la publicité, parce que le libre marché aussi, c'est une valeur bien importante pour les gens de Radio X, peut-être que ça fait son œuvre présentement, puis c'est une maudite bonne affaire. Et je veux vous faire entendre une pub, parce que je suis allé écouter un petit peu la Radio X cette semaine, puis c'est très drôle, parce que là, soudainement, ils prennent conscience qu'il y a une pandémie. Radio X. On a les meilleurs auditeurs. Je le mets mon masque puis je me lave les mains. Radio X. On le sait que vous respectez les règles. Je porte le masque, je me lave les mains quand je rentre au magasin. Dites-le sur notre boîte vocale. 670-9030. Je suis prêt pour répondre aux bénéficiaires. J'ai un masque, une visière, bientôt je vais être obligé de porter une jaquette. Radio X est toujours prêché pour suivre les consignes gouvernementales. 670-9030. Je les respecte puis je respecte les autres. Radio X. Ah, mon Dieu, que c'est bien fait. Soudainement, il y a un boycott et là, il y a des pubs pour nous dire que les auditeurs de Radio X portent le masque, font attention, ne mettent pas en doute la pandémie, puis qu'à Radio X, on est des alliés de la science et de la santé publique. C'est quand même assez drôle. Sauf que, visiblement, il faut qu'ils se revirent de bord parce que le boycott est là puis les revenus sont en train de partir. Mais visiblement, les auditeurs n'ont pas trop changé. Puis ils ont été obligés de faire cette pub également. Radio X pour le support incroyable des derniers jours. Ça nous va droit au cœur. Mais quand ça brasse, certains deviennent émotifs. Nous invitons quiconque, auditeur ou pas, à ne jamais verser dans les messages haineux sur les médias sociaux. Lorsque quelqu'un reçoit des messages de la sorte, des menaces, de porter plainte à la police est effectivement la bonne chose à faire. Choix. Débattons dans le respect et nous avancerons. Réglons la pandémie. Soutenons l'économie locale. Nous sommes avec vous. Choix. Nous sommes Radio X. Ah ben j'ai rigolé un petit peu parce que bon, visiblement il y a des auditeurs de choix ou pas, parce que dans la pub on dit ben si vous êtes un auditeur ou autre, mais oui, on le sait en fait, le maire Labeaume a reçu des menaces de mort, il y a une personne qui a été arrêtée à Québec, un homme de 41 ans, mais bon, ça me faisait un petit peu rire d'entendre, merci pour votre support, mais s'il vous plaît, ne faites pas de menaces aux gens, alors... Voilà, donc ça me faisait un petit peu rire. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, la voix qu'on entend, j'avais pas allumé ça. Je vais vous remettre une petite pub. Gravel dans le retour. C'est James Einman qui fait la voix officielle de Radio X. Et ça m'a étonné. Ça m'a fait penser à son personnage dans Eldorado. D'ailleurs, je cherchais un extrait du film, un extrait numérique que j'ai jamais trouvé parce qu'évidemment, c'est un film québécois des années 90, donc il n'existe plus sur les plateformes. On peut même pas l'acheter. Mais ça m'a étonné de savoir que James Einman avait... Je pense pas que les gens qui font des voix doivent absolument supporter les produits qu'ils vendent.
Il faut bien vivre, mais quand même, moi, si je faisais de la voix, je suis pas sûr que j'aurais accepté de devenir la voix de Radio X, mais bon, c'est très personnel. Je voulais le mentionner, je ne veux absolument pas accuser James Einman de quoi que ce soit. Je pense pas qu'il nous écoute, mais s'il nous écoute, ben, ce serait peut-être le fun. Ça serait peut-être le fun qu'ils nous disent s'ils trouvent ça cool que sa voix soit entremêlée de chroniques climato-sceptiques et de chroniques de Ken Pereira à l'effet qu'il y aurait des bases nazies sur la Lune. Et je termine! Je termine avec... cette semaine, c'est la commémoration de la crise d'octobre. Il y a un journaliste qui a posé cette question à Justin Trudeau. Mon suivi porte sur la crise d'octobre, dont c'est le 50e anniversaire. Plusieurs réclament des excuses officielles de votre gouvernement pour les nombreuses arrestations sommaires qui ont été effectuées. Est-ce que vous comptez présenter des excuses officielles? C'est certain que les événements d'octobre 1970 ont été très difficiles pour bien des Québécois. Je pense qu'il faut commencer par avoir une pensée pour la famille de Pierre Laporte, pour qui cet anniversaire ramène de très douloureux souvenirs. Bon, on ne tombe pas de notre, chaise, mais bon, je sais qu'en fait, c'est un peu insultant, hein, sachant que Justin Trudeau s'excuse pour à peu près tout depuis qu'il est premier ministre, mais là... ça aurait peut-être été intéressant que le gouvernement fédéral s'excuse pour les 500 personnes, plus de 500 personnes qui ont été arbitrairement arrêtées, détenues. Et je pense que de faire ça n'aurait pas empêché le respect pour la mémoire de Pierre Laporte, dont un pont porte son nom. Et je pense que ça, un n'aurait pas empêché l'autre. On le sait qu'au Canada, parfois, il y a plusieurs... nations qui sont... En fait, le multiculturalisme permet d'inclure toutes sortes de nations, mais pas vraiment la nation québécoise. Six nations, il y a. D'ailleurs, ça me ramène à mon invité d'aujourd'hui, parce que ça va être un peu ça qu'on va parler aussi, ce concept de nation culturelle et politique du Québec au sein de ce formidable pays qu'est le Canada. Mais Justin Trudeau ne nous offre pas d'excuses, et nous non plus, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas aller rejoindre immédiatement la première chronique de la saison 3 d'Hélène Faradji. Bon, alors voilà, on commence l'épisode 3. En fait, Hélène, vous êtes notre première chroniqueuse cette saison. Ah ouais, carrément. Ouais, oui, là, pression. Comment ça va? Ah, ça va super bien, et vous? Ben, ça va très, très... Oui, on va continuer à se voir. Vous voyez, j'ai eu des réflexions cet été envers moi-même. Je me couchais le soir, je me disais, bon, là, à l'automne, donc on se vous voit, on se tutoie, ça va dépendre. Fait que, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se vous voit. OK, c'est bon. Parfait. Bon, et là aussi, cette année, on s'est dit que, oui, à la COVID, on le sait, tout ça. Puis d'ailleurs, il y aura des suggestions que vous allez nous faire sur la page Facebook. Absolument. Des suggestions quotidiennes de films. Ouais, je me suis dit, un film par jour, ça éloigne le médecin pour toujours. En tout cas, on peut essayer d'y croire. Oui. Ça va peut-être nous aider à passer à travers. Il faudrait que ce soit le docteur Arruda, en fait, qu'on éloigne une fois par jour. Non, mais... Bon, on en reparlera. Mais, voilà. Mais on va pas... essayer, puis il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, tu sais, l'année passée, la COVID prenait beaucoup de place dans nos vies et dans la balado, fait que là, on va vraiment faire en sorte de sortir. Évidemment, l'actualité, des fois, même culturelle, on n'aura pas le choix, mais je pense qu'il faut élargir, puis offrir, en fait, que la balado soit un baume sur cette... Un baume, on va essayer d'être réconfortant, voilà. Ouais, on va essayer. Ben, ceci dit, on est quand même obligé d'en parler un petit peu, parce que ben, vous, comme moi, comme tous ceux qui sont de près ou de loin associés au secteur culturel, ben, on s'est quand même pris un espèce de 38 tonnes dans la face en début de semaine. Tout à fait. On sent un peu comme dans les films catastrophes. Oui. C'est-à-dire que les scientifiques et notre God à nous l'avaient dit depuis longtemps, puis on n'a rien écouté. Et là, maintenant que la catastrophe est sous notre nez, ben, c'est trop tard. Hein. Ouais, voilà. Effectivement. Mais pour votre chronique, première chronique cette saison. On sort un peu, on va ailleurs, on va dans une controverse qui a occupé, je pense, en France, qui s'est sorti en premier. Oh, ben en fait, on va ratisser large pour cette première fois, parce que je me suis dit, bon, début de la troisième saison, est-ce qu'on plonge directement dans l'actualité la plus brûlante? Mais oui et non, parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Hein. C'est vraiment, ça a été rocambolesque au niveau culturel, tout ce qui s'est passé cet été, au point que je me suis dit, bah, peut-être qu'on s'ennuyait trop, peut-être que la COVID, c'était pas assez, fait que tout le monde s'est dit, allez, on en rajoute une couche sur la culture.
dans les trucs les plus récents, par exemple, on a l'appel à l'aide des secteurs culturels qui ne sont pas District 31 et que personne n'entend, les annonces de sorties repoussées, ouais. Une culture à peu près au point mort, sauf pour ce qui est de la télé et du web. Mais quand on se replonge un petit peu dans tout ce qui s'est passé cet été, je crois qu'on peut trouver un espèce de fil rouge, de fil conducteur qui peut nous aider à faire le tri et à naviguer un petit peu mieux dans ce qui se passe dans notre belle culture en 2020. Alors, de quoi s'agit-il, Fred ? De quoi s'agit-il, ce fil rouge ? Aucune idée. Oh, merci de jouer le jeu, parce que vous le savez très bien, je vous ai envoyé mes sujets. C'est la sexualité féminine. Ah, ouais. Mon Dieu. Ouais, 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 le boum-boum des madames, qui encore une le fois... Le grand mambo Le grand mambo de la dame, qui encore une fois a vraiment l'air d'être une préoccupation collective, au point où je me demande qu'est-ce qui peut bien exciter l'esprit de tout le monde là-dedans et pourquoi c'est pas encore réglé définitivement cette histoire. La relation entre la dame et ses ovaires, ça la regarde. Et je sais, hein, je sais que je vais avoir l'air en colère pendant cette chronique. Je m'excuse d'avance, c'est pas contre vous, le prenez pas personnel, mais il y a de quoi être tanné. Hein, parce que pourquoi ça continue cette histoire de vouloir se mêler de comment les femmes doivent gérer leur sexualité ? Et pourquoi, surtout Fred, pourquoi quand c'est la crise, c'est systématiquement les femmes qui s'en prennent plein la gueule ? Peut-être parce que les dirigeants mondiaux ne peuvent plus rien contrôler d'autre, alors ils se rabattent sur les femmes parce que ben, les femmes sont souvent plus pauvres, plus seules ou simplement moins respectées et qu'elles ne vont rien dire. Ah ouais, on va rien dire. Hein. Regardez-nous aller. Mais là, cas, Hélène, attendez, Hélène, c'est... Où c'est parce que bon, c'est un truc que j'entends souvent, mais là vous avez l'impression que tout le monde là c'est un courant, c'est une lame de fond encore là, mais vous avez vu ça où? Dans beaucoup de choses, parce que au cours de cet été 2020, ça a commencé, rappelez-vous, avec cette deuxième vague de dénonciations, oui, hein, sur Instagram et sur Facebook, où encore une fois, on a vu cette idée absolument nauséabonde apparaître, celle que la sexualité est une chose, que les autres contrôlent, que ce soit en mordant ou en grainant, en tout cas avec violence. Et je ne vais pas m'attarder sur cette vague de dénonciation parce que c'est un peu comme avec les couleurs de zone. Hein. On est déjà passé à autre chose. Ouais. D'ailleurs, on est déjà passé à autre chose aussi sur l'héritage essentiel qu'aurait dû laisser Ruth Bader Ginsburg, ouais, son combat pour le droit des femmes à disposer de leur corps, qui va être balayé sous le tapis en moins de 2 secondes dès que l'autre aura confirmé sa juge conservatrice, qui va probablement renvoyer le droit à l'avortement au rang d'un doux souvenir. Sinon, on a aussi eu cette lubie du gouvernement français. Est-ce que vous avez vu ça? Ça c'est dépend. Il y a beaucoup de lubies récemment dans le gouvernement français. C'est celle de dire aux étudiantes comment elles doivent s'habiller. Ah, bah ouais. Non, je peux vous dire. On demande maintenant aux élèves de s'en tenir à une tenue républicaine. Qu'est-ce que c'est une tenue républicaine? Est-ce que si on met un string bleu-blanc-rouge, ça passe l'affaire? Je ne sais pas. Mais on leur a surtout demandé d'abandonner les crop-tops, ce que nous, on appelle les chandails beden, oui, le no-bra ou les bretelles apparentes. Parce que oui, le problème, c'est les adolescentes qui montent leur nombril. Ce n'est pas le manque d'éducation au respect, à la sexualité ou même au civisme qui permettrait qu'enfin, on retourne le problème. Parce qu'entre vous et moi, le problème... Il n'est pas dans le nombril des filles, Fred. Il est dans le fait qu'on présume que pour un garçon, voir un nombril, c'est trop. Ça va forcément le retransformer en Néandertal. C'est cette bonne vieille idée. Hein. Ben non, monsieur le juge, je l'ai violée, mais ce n'est pas ma faute. Elle portait une mini-jupe. Ouais. Et à tous ceux qui chialent en ce moment parce qu'ils pensent qu'un masque, c'est une atteinte à la liberté, ben, vous ne vous rendez même pas compte de tout ce qu'on passe comme vraie entrave à la liberté pendant que vous faites les clowns. Et ça, c'était juste le réel, parce que la fiction, la culture, elle aussi, elle a créé ces ondes de choc au rayon sexualité. Et encore une fois, ça a été le corps des femmes qui a été l'objet de toutes les controverses. Et c'est super, hein, on avance. Je voudrais quand même rappeler à tout le monde que Molière lui-même se foutait de nous et de notre ridicule pudibonderie en 1669, quand il écrivait dans Tartuffe « Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées
et cela fait venir de coupables pensées. Ah, c'est lui, ça, couvrir ouais, ce sein. Oui, c'est lui. Ah. Et bien, 2020, rebelote. On n'a pas avancé depuis le XVIIe siècle. On est toujours coincé dans cette idée débile que sexualité et dame, c'est un oxymoron. Une dame, ça ne peut pas afficher sa sexualité. Elle ne peut pas se vautrer dans la bassesse de la chair. Sinon, ben, elle mérite tous les noms d'oiseaux qu'on va lui lancer. Et on les a entendus, hein, ces noms d'oiseaux, ces noms d'oiselles, même en août dernier, parce que Cardi B et Megan Thee Stallion ont sorti leur nouveau titre, qui est très joliment nommé WAP, c'est-à-dire Wet Ass Pussy. Ah. Et c'est une ode au plaisir et à la jouissance féminine. On va en écouter un petit extrait. Hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. Mm-hmm. Grosse toune de hip-hop avec oui. un clip à l'avenant aussi où on voit les deux femmes qui twerk à qui mieux mieux, qui sont assumées, libres et qui martèlent ce message fondamental. Plus il y a de lubrification, plus c'est facile pour tout le monde. Oh. Ben non, 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 les messieurs ont quand même trouvé de quoi redire. Alors, je vous ai fait un petit medley de trucs que j'ai lus sur Twitter après la parution de ce clip. Exemple d'un monde où les enfants grandissent sans Dieu et sans figure paternelle. Ça me donne envie de me verser de l'eau bénite dans les oreilles. C'est dégoûtant, c'est dépravé. Ben oui. Et pourquoi pas femme qui jouit démocratie en danger aussi. Sérieusement, Fred, on veut bien que les filles aient une sexualité, mais si elles le rappent, si elles le mettent en scène, si elles en font l'objet d'un jeu chorégraphié, ultra-sexué, ça en fait des salopes qui vont mener le monde vers la décadence ? Ben non. Juste non. Ce qui nous fait aller vers le bas, c'est pas l'expression joyeuse d'une jouissance qui est maîtrisée, c'est au contraire tout ce qui veut forcer la sexualité d'autrui à se taire ou à être l'objet d'un contrôle. Et Cardi B, c'était rien. C'était de la roupie de Sansonnet à côté de Mignonne. Vous avez entendu parler de ce film ? Oui, oui, tout à fait, ben oui. Magnifique premier film. J'étais de... sûr que vous alliez en parler. C'est pour ça que j'ai dit, je vais attendre, j'ai envie de voir ce qu'elle va en penser. Mais peut-être la mettre en contexte, évidemment, là. Alors, c'est le premier film d'une jeune réalisatrice franco-sénégalaise, elle s'appelle Maïmouna Doucouré, et cette jeune femme, elle a vu le monde lui tomber dessus depuis la sortie du film sur Netflix. Alors, d'abord, ça a été un problème de promotion. Netflix avait décidé de faire produire une affiche pour promouvoir le film, où on voyait des gamines de 11 ans, qui sont les héroïnes du film, en tenue de danse suggestive, dans des poses tout aussi suggestives. C'était d'une idiotie absolument complète, parce que Netflix a pris une image complètement hors de son contexte pour vendre. Ben oui, évidemment. Pourquoi ? Ben oui, le cul, ça fait vendre, évidemment, ça choque. Évidemment, ils se sont rétractés depuis, il y a eu quand même une levée de bouclier contre cette affiche, mais ça n'a pas empêché la meute de faiseurs d'opinion, dont ici au Canada, Erin O'Toole, de fustiger ce film qu'ils n'ont évidemment pas vu en disant que c'était honteux, que c'était un appel à la pédopornographie. Rendu là, j'ai l'impression que je ne sais même plus quoi dire à part « Calisse Fred ». Ça ne se peut pas qu'on en soit encore là. On écoute un extrait de Mignonne. Moi, je danse depuis que je suis petite. Et même ma mère, elle me disait que je dansais dans son ventre. Mais maintenant, je les vois plus, ni ma mère, ni mon père. À cause de leur travail, là, avec le restaurant. Je les vois pas beaucoup. Ils disent que je suis une mauvaise fille. Que je sais rien faire. Mais les gens, ils m'aiment bien. Waouh. Ouais, c'est un magnifique film. Et ça va d'ailleurs être ma première suggestion pour passer à travers ces 28 jours de pseudo-reconfinement dont on ne dit pas le nom. Ça va être d'aller voir Mignonne. Parce qu'en 5 minutes, vous allez constater que c'est d'abord et avant tout l'histoire d'une émancipation mignonne. C'est une petite fille qui a 11 ans, qui est seule, et dont la mère et la grand-mère avec qui elle vivent ne comprennent pas les aspirations, et ces deux femmes adultes l'enferment dans un carcan religieux.
Et cette petite fille, pour s'échapper un peu, elle va trouver des nouvelles copines, des copines qui dansent. Et en faisant ça, elle va découvrir le pouvoir infini de la danse comme objet d'émancipation sexuelle. Et comme Icare, elle va se brûler. Elle va se brûler en découvrant l'intense pouvoir qu'est la sexualité féminine, parce qu'elle n'a pas les outils pour le maîtriser. C'est l'histoire d'une petite fille qui va découvrir la sexualité comme les premiers hommes ont découvert le feu. Alors oui, bien sûr, on se brûle au début, bien sûr qu'on a besoin de modèles pour nous aider quand on est jeune à comprendre comment canaliser tout ça. Mais le problème, c'est que dans Mignonne, cette petite fille, ses seuls modèles, c'est d'un côté la religion et de l'autre, les clips de rap où les filles ont l'air surpuissantes. Alors forcément, elles se plantent. Et forcément, nous, on en revient au début, ce qui est en jeu à travers Mignonne, à travers Cardi B, à travers tout le reste, c'est ce besoin criant, vital, qu'on a tous à une éducation saine et libre à la sexualité. Parce que les carcans de la pudeur, de l'obscénité, c'est comme tout. Si t'imposes sans éduquer, ça ne peut que mener au désastre. Et pour conclure, je vais me permettre une petite tranche de vie. Un petit truc qui m'est arrivé la semaine passée. J'étais sur mon balcon. J'avais un balcon en hauteur. Je voyais dans la rue, puis je voyais une voiture. Ils étaient garés dans la rue. Et la fille qui était assise du côté passager, elle pleurait. Elle pleurait à chaudes larmes. Le gars qui était au volant, lui, il avait son bras autour de son épaule et il la serrait contre lui de temps en temps. Il la réconfortait. Et tout mon instinct, tout mon intérieur m'a dit « ne regarde pas ». J'étais gênée de regarder, j'ai détourné le regard. Et là, j'ai réalisé ma bêtise. Parce que j'ai compris quelque chose quand j'ai vu ça. La sexualité, on la regarde et on se dit que c'est obscène pour se dédouaner, pour faire comme si on avait regardé pour les bonnes raisons, c'est-à-dire défendre la vertu et les bonnes valeurs. Mais la souffrance, la douleur, les pleurs, on ne les regarde pas. Ou pire, on les insulte quand ça vient d'une autochtone. Devant ça, on a une pudeur, mais il serait peut-être temps qu'on inverse les codes, que les femmes puissent se shaker le bonbon autant qu'elles veulent, qu'elles fassent ce qu'elles veulent et qu'on nous foute la paix là-dessus et qu'on ose enfin regarder droit dans les yeux ceux qui ont mal, ceux qui souffrent. Parce qu'en les regardant et en les jugeant pas, on finira peut-être, mais je dis bien peut-être, par regagner un petit peu de cette humanité qui nous manque terriblement ces jours-ci. Ah, bravo Hélène! Vous frappez fort? Merci. Vous frappez fort pour cette première chronique. Wow! Vous me manquiez. Ah! Go ahead, make my day. Ça sent, on l'aime ce petit jingle là. C'était, oh, oui, c'était notre segment discussion cinéma qui n'aura pas lieu cette semaine et qui va être, on va revoir ces discussions là. Mais là, il faut le dire, cette année, on va les envoyer ces discussions là. En fait, on va les inclure dans la balado Brouillon de culture qui sera une balado exclusive aux gens, aux auditeurs qui donneront. Qui participeront financièrement à cette balado, parce que, je l'ai dit en intro, on a 50% de l'objectif d'atteindre, c'est 60 000 $ cette année, et au lieu d'y aller avec des contreparties comme on faisait les deux premières saisons, je trouvais ça un peu lourd, et aussi, on va se le dire, il fallait payer des taxes TPS, TVQ sur les contreparties. Alors, voilà, et je voulais éliminer le plus d'intermédiaires possible, donc cette année, on offre du contenu exclusif, et nos discussions que j'aimais tant, et que les auditeurs et les auditrices aimaient tant sur le cinéma, on va les avoir périodiquement sur la balado Brouillon de culture qui sera accessible aux gens qui donnent 60 $ par année et plus. Tout est bien expliqué sur le site web lefredsavard.com. Ouais. Alors j'ai déjà hâte. D'ailleurs, je vous ai lancé une mission cet été de regarder un film avec Marielle Hemingway. Il est sur mon ordinateur. Ouais. Mais ce que vous ne m'aviez pas dit, c'était que c'était un film de Robert Towne. Non, je ne vous l'avais pas dit. Ben non, vous ne me l'aviez pas dit. Puis lui, c'est le scénariste de Chinatown. Donc un très grand homme, en tout cas un très grand scénariste. J'ai très hâte qu'on en parle. Reste à voir si c'est un bon cinéaste. Ouais, mais je pense que vous allez aimer le film. En tout cas, on va en parler bientôt. Ça risque d'être disponible dans deux semaines, ce brouillon de culture qu'on offre aux auditeurs. Mais avant de vous quitter, vous avez parlé de Cardi B tantôt. On a entendu un extrait. Et on a l'impression qu'il y a un sentiment de nouveauté là-dedans. Une jeune femme qui chante les vertus de la lubrification et d'une sexualité épanouie. Mais je vous ramène à une époque, 1995-96. Il y avait cette chanson également. On va se quitter avec ça. Qui disait à peu près la même chose, mais peut-être de façon
si c'est possible, avec Cardi B, un petit peu moins subtil. Mais oui. Alors voilà, même dans les années 90, il fallait licher pour avoir... Il faut toujours licher un peu. Hein. Ça va être notre conclusion. Alors, je vous laisse... la responsabilité de ces derniers mots, d'accord. Voilà, alors bonne semaine, Hélène. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bon, alors, l'an dernier, pendant la pandémie, on avait un peu, abandonné les entrevues avec des essayistes, entre autres, chose que j'aimais beaucoup dans les deux premières saisons. Et là, ben, cette année, saison 3, on est encore en pandémie, mais fuck it! J'ai décidé quand même d'inviter un essayiste pour la saison 1. Alors, Alexandre Poulin, bonjour. Bonjour, Fred Savard, comment ça va? Ça va très bien. Donc, vous avez publié, c'est en 2020, hein? Oui, c'est ça, aux éditions Boréal, Un désir d'achèvement, réflexion d'un héritier politique, livre que j'ai beaucoup aimé. Héritier politique, on va vous situer, vous êtes né en 93, donc vous êtes quand même jeune. Ça fait combien, ça, 93? Ça fait... 27 ans. Bon, 27 ans. C'est ça, j'avoue que, sans faire du rétro-âgisme ou de l'anti-âgisme, je trouvais ça intéressant d'avoir les réflexions d'un vingtenaire sur l'identité, malgré que je dis l'identité québécoise, mais c'est plus que ça, en fait, mais ça reste que c'est ça, un peu, la réflexion de votre livre. C'est certain que ça tourne autour de l'identité québécoise, mais quand on pense l'identité québécoise, il faut la penser dans une histoire, oui. L'histoire récente, l'histoire plus longue aussi de français. Donc on peut dire que c'est un livre qui porte sur l'identité québécoise, mais plus largement aussi sur les dynamiques historique de notre société. Bon, vous détenez une maîtrise en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Vous n'êtes pas professeur, vous êtes vraiment essayiste. Puis ça aussi, je trouvais ça intéressant. C'est votre premier livre, cela dit? C'est mon premier livre. Voilà. Vous commencez dans le prologue, entre autres, avec une phrase que j'ai bien aimée, parce que moi, je ne l'aurais pas formulée comme ça, mais moi, j'ai déjà dit souvent que le seul projet collectif qu'on avait depuis quelques années, c'était des baisses d'impôts. Mais là, vous dites que c'est la santé, puis dans le fond, vous avez probablement encore plus raison, c'est qu'effectivement, c'est la santé, dans le fond. On a plus de, il n'y a plus de projet collectif au Québec. Oh, il n'y a plus de projet collectif depuis 1995. C'est certain. La santé est devenue un projet collectif, si on veut, à partir de 2003. Hein, si on se souvient l'élection de Jean Charest. Oui. Finalement, de 2003 à 2018, on a parlé pas mal de santé au Québec. On en parle un peu moins depuis deux ans, mais c'est assez... Ben, je dirais que depuis le début de la pandémie, on en parle pas mal, mais c'est à un autre niveau. C'est pas le discours habituel qu'on a sur la santé, sur les soins de santé, puis avoir accès à un médecin de famille, puis que les urgences sont pleines. C'est ça depuis longtemps qui est un peu le discours collectif principal. Oui, exactement. Puis vous avez raison, j'ai pas fait référence à la pandémie. C'est une espèce de parenthèse, ouais. En tout cas, on verra. Mais c'était assez, on pourrait dire, symbolique qu'après un grand projet politique comme celui de 95, on se concentre principalement sur la santé, c'est-à-dire la santé, c'est la survie, tout simplement. Ouais. Donc, D'ailleurs, vous parlez de 95, dans le prologue, vous parlez de la déclaration de Jacques Parizeau, et pour vous, c'est une espèce de point zéro d'un avant et d'un après. Et rapidement, après évoquer l'épisode de Jacques Parizeau, vous posez une question qui est peut-être celle qui anime tout votre ouvrage. Est-il vraiment possible de redessiner les contours d'une... Là, je vous cite. Est-il vraiment possible de redessiner les contours d'une communauté de culture de manière abstraite sans que subsistent plusieurs éléments du passé? Vous faites référence, entre autres, à Fernand Dumont. C'est drôle parce que c'est ce matin, je pense, à l'émission du matin de Radio-Canada, que j'entendais Hugo Lavoie parler de la cassure avec la crise d'octobre, entre autres, la cassure du passé historique que les jeunes n'ont plus, et que cette crise d'octobre-là est une espèce de... est comme enfouie dans un magma de faits historiques qu'on a plus ce rapport-là, puis ça devient difficile d'avoir une espèce de récit. Là, corrigez-moi si peut-être je comprends pas bien ce que vous vouliez dire, mais c'est difficile d'avoir un récit collectif quand on se coupe comme ça du passé, mettons, de tout ce qui est arrivé avant la Révolution tranquille, parce que c'est un peu ça qui anime votre livre aussi. Oui, ben exactement. Ce que je dis, c'est que
Bon, avant, la référence fondatrice, c'était celle, on pourrait dire, de la France éternelle. Puis oui. Maintenant, notre catégorie compensatrice, fondation compensatrice, à mon avis, c'est la Révolution tranquille. Oui. Puis celle-ci, elle s'est construite en rejet du passé, entre autres, là, même si le PQ naissant... prenait en charge l'héritage canadien-français quand oui. même, mais c'est surtout depuis 1995, ça a été, bon, évidemment, il y a eu la phrase de Jacques Parizeau qu'on a beaucoup ressassé, mais on pourrait dire que même dans les universités, il y a eu des débats théoriques, on a essayé de théoriser la nation québécoise de façon telle qu'elle ne correspond plus à ce qu'elle avait toujours été, c'est-à-dire qu'une nation... une nation historique, une nation fondée sur l'histoire. Puis la phrase que vous avez citée de mon livre, bon, au fond, ce que je veux dire, c'est qu'on peut croire qu'on s'est coupé du passé, mais si on se coupe volontairement du passé, nécessairement, il y a plusieurs éléments qui vont subsister et ce ne sera pas forcément les plus positifs. Donc, ce serait quoi, les éléments négatifs qui subsistent ou qui ont subsisté? Les éléments plus négatifs, je dirais, c'est la marginalité politique, puis une espèce d'oscillation identitaire qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à nous voir correctement dans le miroir, à façonner une image à notre propre taille. Oui. C'est une constante dans l'identité québécoise depuis un bon bout. Hubert Raquet en parlait dans les années 60, entre d'une part l'autodévalorisation, et la surévaluation, donc se penser plus grand qu'on est, mais aussi en même temps se penser plus petit qu'on l'est réellement. Ouais, mais ça, vous en parlez d'ailleurs, c'est le thème du chapitre 3, qui est un chapitre, moi, qui m'a vraiment fasciné, parce que j'avais jamais réalisé l'ampleur, en fait, de ce fait-là, et c'est, dans le fond, le chapitre s'appelle « Penser le discours de la grandeur », et c'est ça, vous recensez, en fait, cet élément-là de grandiloquence qu'on retrouve dans le discours sur nous-mêmes, qui commence peut-être avec François-Xavier Garneau. On sent vraiment l'idée du grand destin du peuple canadien-français, mais qui n'est pas politique. Qui n'est pas politique, parce que Garneau a écrit ça à la suite de l'échec des rébellions qui a conduit à l'acte du Nord. Oui, c'est ça, en fait. Qui est un échec majeur. Oui. Les Canadiennes françaises étaient dépitées. Même dans les années après, on ne parlait même plus d'indépendance. Le mot circulait même plus. C'est un traumatisme, en fait, là. Très clairement. Puis là, Garneau nous dit finalement, c'est un appel à la survivance, un appel pour accepter le régime en place. Mais ce qui s'est passé à la suite de ça, c'est que le clergé catholique, à partir de 1850 environ, a fait dans le messianisme compensatoire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs hommes d'Église, dont Louis-François Laflèche, qui ont assigné une mission carrément... divine. Civilisatrice au peuple canadien-français. Oui. Ils comparaient Jacques Cartier au patriarche biblique Abraham. On a comparé le peuple canadien-français au peuple élu. Puis, oui. Bon, ce qui est un peu frappant là-dedans, c'est que, ce discours-là va émerger vers 1850-1860, mais c'est un discours qui ne correspond pas vraiment à la réalité politique. Dans le régime de l'Union, il y a eu la succession de 5 gouvernements, ouais. Il y a eu l'incendie du Parlement de Montréal, nos voisins du Sud venaient de terminer la guerre de sécession, ouais. Qui a été très, très sanglante. Et là, nous, un petit peuple d'un million d'habitants, on pourrait aller évangéliser le continent, ouais. Nord-américain qui n'a pas la même religion que nous. Donc, on voit que c'est un peu... c'est un peu coupé de la réalité. C'est un peu se couper de la réalité. Puis il y a même un écrivain qui est très bien, qui a écrit un peu plus tard, on pourrait dire un peu avant les années 1900, Edmond de Nevers, oui. Qui dit finalement, parce que bon, à l'époque, il y a eu des centaines de milliers de Canadiens français, environ 900 000, qui ont émigré vers les États-Unis. Et lui dédramatise la tragédie de l'Exode parce que c'est vraiment d'une tragédie qu'il s'agit. Oui. Il dit « Les immigrés n'ont pas... » il dit quelque chose comme « Les immigrés n'ont pas ratissé la patrie, ils l'ont agrandi. » Ah ben oui. Ils vont, parce qu'ils vont convertir.
petit à petit les Américains qui vont peut-être parler français par osmose avec ce groupe, alors que c'est pas ça qui est arrivé du tout, au contraire. Ah oui, ben lui, il croyait même qu'il y allait une nouvelle configuration politique qui allait émerger de ça, qu'il allait avoir plusieurs villages francophones aux États-Unis qui comparaient à des oasis gracieuses. Puis bon, qu'est-ce qui... Finalement, bon... On peut dire que l'élément français s'est lui-même noyé dans ses oasis imaginaires. Tout à fait. Et c'est drôle parce que ce chapitre-là, moi, je l'ai trouvé intéressant parce que vous ne faites pas que recenser ce... Alors, il faut dire aussi que ce messianisme, entre autres, a été repris par Lionel Groulx, qui a un petit peu magnifié l'ancien régime, entre autres, pour donner un nouvel élan à un nationalisme qui était empreint de religiosité. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Mais c'est encore présent aujourd'hui, ce discours de la grandeur. Et vous le retrouvez, entre autres, dans la lutte au changement climatique. Vous avez l'impression que le discours qui est tenu au Québec, c'est comme si le Québec jouait un rôle important sur la scène mondiale pour la lutte au changement climatique, alors que dans le fond, on est un petit joueur. On est un petit joueur, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des responsabilités comme d'autres États dans le monde à essayer de peser sur le cours des choses en matière de lutte contre les changements climatiques. Mais c'est ça, à mon avis, c'est la thèse que je défends dans le chapitre, c'est qu'on est passé d'un messianisme catholique à un messianisme écologique, puis à certains égards aussi un messianisme culturel, mais parlons d'abord du messianisme écologique. Oui. Ben voilà, c'est ça, c'est que le Québec compte 8,5 millions d'habitants, et quand on lit certains textes, on pourrait dire fondateurs de la pensée écologiste au Québec, comme le Manifeste pour un élan global qui avait paru dans Le Devoir en 2015, on nous dit que nos révolutions sont tranquilles, mais ce sont de vraies révolutions, elles peuvent inspirer le monde entier. Donc là, on a l'impression qu'en fait, c'est nous qui avons fait les Lumières, la Révolution française, on en est les auteurs. Ouais. C'est un peu paradoxal, puis on l'a vu récemment aussi avec le pacte de Dominique Champagne. De Dominique Champagne. Donc, ce discours-là est présent, puis c'est certain que, bon, il contraste beaucoup avec la réalité actuelle, c'est-à-dire que le Québec perd du pouvoir depuis 20 ans. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites, au même moment où on rapetisse politiquement à l'intérieur du Canada, nous célébrons des gens comme Robert Lepage, Céline Dion, Xavier Dolan, Le Cirque du Soleil, qui, eux, dans le fond, sont des réussites individuelles sur la scène internationale. En compensation de... En fait, c'est votre théorie, du rapetissement politique du Québec dans le Canada. Ben c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression que le Québec... Ben en fait, le Québec est présenté comme un paradis terrestre sur le plan social, une petite république là, pour ce qui est des arts, la culture, un messie en matière d'environnement. Et donc, c'est ça, vous l'avez dit, c'est le discours autour du Cirque du Soleil, le Cœur de Pirates, Arcade Fire et compagnie, c'est que ils ont du succès et c'est très bien, mais c'est comme si on avait l'impression qu'ils semaient des graines québécoises à l'extérieur du Québec et que ce faisant, on allait agrandir notre sphère imaginaire. Mais la réalité politique telle qu'elle est, c'est que le Québec se rapetisse, c'est incontestable. Ouais. D'ailleurs, vous donnez aussi l'exemple dans ce chapitre-là de Jean-François Lisée qui, en 2018, après la raclée du PQ et lui-même battu dans sa circonscription, avait quand même prétendu avoir gagné la campagne électorale. Ben, c'est ça, c'est que dans notre histoire, on a un petit peu, pas juste un petit peu, on a carrément tendance à transformer nos échecs en victoires. Bon, Jean-François Lisée, c'était la pire défaite du PQ. Ouais. Il considère avoir gagné la campagne, mais gagner la campagne, visiblement, c'est avoir été les derniers aux élections. Ouais. Puis bon, il y a une phrase, à mon avis, qui l'illustre à merveille. Bon, on se souvient tous de la phrase de René Lévesque qui disait qu'on n'est pas un petit peuple, peut-être quelque chose comme un grand peuple. Mais cette phrase-là, à mon avis, c'est certain qu'elle est habitée par le doute, mais elle nous représente. Mais Jean-Martin Haussan, quand il est dans un petit livre paru il y a quelques années, il s'en est pris à cette phrase-là en disant « c'est une phrase qui est poétique, mais elle nous définit mal parce qu'à plusieurs égards,
on est rien de moins qu'un géant. Ouais. Donc là, on se dit, bon, écoutez, rien de moins qu'un géant. Est-ce que c'est le fait qu'on a été exclu de la Constitution en 82 et qu'on ait perdu deux référendums qui font de nous un géant? Ouais. Donc, je trouve ça particulier. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous parlez de René Lévesque et vous rappelez aussi dans ce chapitre-là les propos de Félix Leclerc qui se retrouvent sur la tombe de René Lévesque à l'effet que René Lévesque ferait partie de la courte liste des libérateurs de peuple, alors que l'échec référendaire de 80, c'est l'échec de René Lévesque. Donc, il n'a... Là, en même temps, qu'est-ce que veut dire un libérateur de peuple? Est-ce que ça veut dire nécessairement l'accession à l'indépendance du Québec? Je pense qu'on peut libérer... On peut pas nier l'héritage politique de René Lévesque, entre autres, pendant la Révolution tranquille, mais reste que vous, ça vous fait sourciller qu'une phrase comme ça se retrouve sur sa tombe? Oui, exactement. Mais c'est un personnage politique que j'admire beaucoup, comme plusieurs de nos concitoyens, oui. Mais en matière de libérateur de peuple, c'est sûr que... On peut, il y a plusieurs sens à ça, puis oui. À bien des égards, c'est clair que c'est l'icône principale de la Révolution tranquille, oui. Puis le Québec se porte beaucoup mieux grâce à lui notamment, mais on fait dans l'enflure verbale encore une fois, tu sais, je pense malheureusement, René Lévesque, malgré plusieurs victoires, n'a pas réussi la grande victoire politique. Non. Donc c'est ça, on a de à force de ne pas gagner, c'est comme si on essayait de se magnifier par des défaites. Ouais. D'ailleurs, dans l'enflure, le chapitre 3 sur l'enflure verbale et le discours de la grandeur, vous dites que ça touche aussi, entre autres, la notion de grand noirceur qui fait référence au Moyen Âge et qu'est-ce qu'on. En fait, est-ce qu'on peut vraiment sans non plus glorifier ces années-là, ce que d'autres ont déjà fait, des penseurs de droite, entre autres, qui ont déjà fait en disant que c'était beaucoup moins pire que ce que la gauche prétend. La grande noirceur, je pense que votre idée n'est pas tant là que de dire ben, déjà d'utiliser grande noirceur, il y a un côté grandiloquent. La nuit des longs couteaux en 81 aussi, c'est vraiment une tangente qui revient beaucoup. Et là, évidemment, j'ai accroché sur Nègre blanc d'Amérique, puisqu'on est en pleine controverse, entre autres avec cette journaliste de la CBC qui a eu une plainte et qui a une cavale sur les médias sociaux, entre autres partout en Amérique du Nord pour la faire congédier parce qu'elle a osé parler de ce livre-là. Et vous en dites quand même, sans embarquer dans cette polémique-là, vous dites quand même que c'était peut-être qu'il y allait un peu fort d'utiliser ce terme-là. Ben, exactement. C'est-à-dire que, bon, je ne nie pas du tout la misère qui était celle de la société canadienne-française de l'époque. On comprend aussi que quand on choisit un titre d'un ouvrage, pour que ce soit percutant, il faut vendre des livres. Mais non, quand on lit Vallière, bon, son témoignage est assez poignant, véridique aussi, mais il dit que finalement, ce qui différencie les Québécois des Noirs américains, c'est simplement la couleur de peau et le continent d'origine. Donc ça, pour moi, de la même manière que c'est la lutte des longs couteaux, qui fait référence à une purge incroyable. Des nazis envers les Juifs. Des nazis, oui, en 34. Ça se compare pas. Donc, ça se compare pas. Puis pour moi, c'est une curieuse façon de vouloir passer à l'histoire, mais par la défaite. Oui. Peut-être parfois aussi en se victimisant de manière exagérée. Ouais. Là, il y a un chapitre, la condition intemporelle, où, entre autres, vous parlez de Jonathan Livernois, de Pierre Vadeboncœur, de Daniel Jacques, et j'avoue, je veux pas aborder directement ce chapitre-là, parce qu'on en a parlé beaucoup l'an dernier avec Jacques Beauchemin, entre autres. D'ailleurs, vous parlez beaucoup de Jacques Beauchemin. Je sais que vous le remerciez à la fin de votre livre, mais est-ce que c'est parce que la rédaction de votre livre concordait avec la parution de la démission tranquille qui a fait paraître en dernier. Ça m'étonne, ben, en fait, ça, qu'on trouve pas Jacques, plus Jacques Beauchemin dans votre essai. Ben, je l'ai cité à plusieurs reprises. On a écrit nos livres en même temps. Ah, voilà. Ça a été mon professeur, on en a beaucoup discuté, mais la rédaction s'est vraiment faite de manière concomitante. En parallèle, oui. Oui, exactement. Sans qu'on s'en soit vraiment parlé. C'est pas un complot, là. C'est pas un complot. Mais dans ce chapitre-là, donc, la condition temporelle, vous amenez un élément que je trouve intéressant, que j'ai pas remarqué, qui m'a sauté au visage. C'est vous parlez de la littérature québécoise. Entre autres, vous parlez du livre d'Isabelle Daunet, qui est professeure de littérature à McGill, et qui, en fait, vous dites que, bon, sur le plan du spectacle, des arts de la scène, oui, le Québec...
en fait, les individus, on les a nommés tantôt, peuvent trouver leur place sur les scènes internationales, alors que la littérature québécoise ne réussit pas à faire ça, en fait, ne réussit pas à s'inscrire dans ce que Milan Kundera appelle le grand contexte. J'ai envie que vous développiez avec nous un peu cette idée-là, que je trouve intéressante. Ben, c'est l'idée, vous l'avez dit, d'Isabelle Donnet. Ben, elle, finalement, sa thèse, c'est que le roman québécois n'est pas de valeur, ben, en fait, n'est pas de grand usage pour le grand contexte. L'expérience québécoise, finalement, telle qu'elle est véhiculée dans les romans québécois, parle difficilement à des gens qui habitent à l'extérieur du Québec. Ça ne veut pas dire que la littérature n'est pas de qualité. Ça ne veut pas dire que notre monde là, est pur, merveilleux, sans tracas, ni soucis, mais c'est juste que... Elle ne s'inscrit pas dans l'universel, en fait. Exactement, puis ce qui la caractérise, c'est l'idylle, donc un monde qui se refuse à l'adversité. Je reprends ses propos sans trop développer, mais c'est juste pour montrer que c'est assez intéressant. Donc, même pour elle, le roman de la Révolution tranquille dans les années 60, plutôt que de briser l'idylle, la consolide. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Donc, puis tu sais, on s'entend cette condition. Là, quand on parle de l'idylle, en fait, on parle d'un univers qui sera à l'abri du politique, des bouleversements, de la vie, en fait. Un univers clos, fermé sur lui-même, ce que Pierre Vadeboncœur appelait la permanence tranquille. Oui. Et, représenté donc, peut-être par Régent Ducharme, entre autres, qui est peut-être le je sais pas, là, j'ai pas lu énormément de Régent Ducharme, mais de ce que j'ai lu, j'avais toujours cette impression-là un peu d'être un peu dans un univers idyllique, effectivement, qui est pas idyllique dans le sens de parfait, mais qui est comme à l'abri de la temporalité. Ouais, j'ai pas beaucoup lu Régent Ducharme non plus, mais on peut faire référence à Maria Chapdelaine. Oui. On peut faire référence à plusieurs romans, mais c'est cette intemporalité-là de la condition québécoise, finalement. En fait, c'est ça. C'est que notre imaginaire suggère qu'on n'est pas tout à fait dans l'histoire, mais dans les faits. L'histoire a un impact sur nous. L'histoire a un impact sur nous. L'histoire avance. Ouais. Et le temps presse. Dans ce chapitre-là aussi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, parce que moi, j'en ai parlé sur d'autres tribunes, surtout au niveau du cinéma, mais vous relatez que plusieurs classiques de la littérature québécoise sont absents des librairies. Donnez l'exemple du livre « L'homme d'ici » d'Ernest Gagnon, que je ne connaissais pas, qui date de 1952. Puis c'est drôle parce que moi, je fais le même constat avec les films québécois, entre autres des années 80-90, qui sont introuvables sur les plateformes. On peut pas les acheter même, ils ont pas été visiblement numérisés. Un film comme « Pouvoir intime », sur lequel j'ai chroniqué à cette année-là, j'ai même pas été capable de le trouver nulle part. C'est un cinéaste, c'est Raphaël Ouellette qui me l'a envoyé, qui lui l'avait numérisé d'un autre cinéaste à partir d'un VHS dans les années 80, à la fin des années 90. Et vous parlez de la même chose avec le roman québécois, c'est-à-dire des auteurs qui pourraient être encore intéressants, mais qu'on ne retrouve plus, comme s'il y avait une cassure encore, on le disait au début avec le passé. Mais là, on n'est même pas capable de trouver notre patrimoine, en fait, littéraire dans les librairies. En fait, une certaine partie. Oui, une certaine partie. Bon, on a une tradition essayistique au Québec qui est assez forte, mais parfois, il faut vraiment se faire initier à certaines œuvres par des cercles d'initiés. Là, vous donnez l'exemple d'Ernest Gagnon. Je marchais à Québec, il y a une avenue Ernest Gagnon à Hauteville. Je pensais que... Moi, je dis, je vais aller... Est-ce que c'est de lui qu'il s'agit? Ah, mais non, il s'agissait de son homonyme. Un curé, probablement? Non, mais qui était connu pour ses chansons populaires du Canada. Non. Donc là, je dis, c'est vraiment... C'est spécial. C'est symptomatique, en fait. De notre rapport, puis on pourrait parler du patrimoine bâti aussi, on a vraiment un rapport qui est pas sain avec notre patrimoine, moi, je trouve. Bon, chapitre 5, vraiment intéressant. Ça aussi, ça m'a sauté au visage. Vous ramenez la figure d'Étienne Parent, que j'avais un peu... Ben, je connaissais évidemment de nom, mais de son cheminement politique, et vous faites un parallèle avec François Legault qui est vraiment saisissant. Oui, Étienne Parent, c'est un journaliste du 19e siècle qui était rédacteur en chef du journal Le Canadien, qui était proche du Parti patriote. Oui, journal important, parution libérale. Il connaissait assez bien Louis-Joseph Papineau. Et lui, avant l'Acte d'Union, défendait une définition spirituelle de la nation. Bon, disons, une définition politique, pardon. Oui. Donc, à l'époque, on faisait ce qu'on appelle le jeu des libertés anglaises. On était à la Chambre
d'assemblée du Bas-Canada. Et bon, on était des sujets à Sa Majesté, puis on essayait de parler la langue politique, ouais, si on veut, des anglophones. On jouait le jeu, en fait. On jouait le jeu politique. On jouait le jeu, puis c'était valable. Ouais. Mais lui, en fait, bon, il est allé en prison brièvement. Ouais. Il y a eu des problèmes de surdité. Et à la suite de l'Acte d'Union, il est devenu conférencier. Et là, il a défendu une définition culturelle de la nation, oui, où la politique finalement était plus d'aucun secours. En fait, la politique est laissée aux Anglais. Exactement. Puis nous, on s'occupe de la culture, oui, on s'occupe la culture au sens anthropologique du terme, là, puis on s'occupe de l'économie au sens, oui, aussi. C'est la révolution industrielle aussi qui bat son plein. Exact. On essaie de fortifier notre identité nationale par l'entremise de l'économie, mais, oui, la politique n'est vraiment plus d'aucun secours. Puis ça fait penser à François Legault qui, oui, lui, ben, s'est lancé, a été, c'est marrant parce qu'il était ministre de l'industrie, oui, dans le gouvernement péquiste. Bouchard, donc, oui, péquiste. Donc lui défendait la dimension politique de la nation aussi, il l'a écrit, hein, c'est la souveraineté, c'est la liberté politique, ouais, on peut faire nos propres choix. Et en créant la CAQ en 2011, c'est comme s'il avait pris conscience il avait pris toute la mesure de l'échec politique de 1995. Et là, quand on lit le manifeste pour la coalition pour l'avenir du Québec, ouais, c'est plus un vocabulaire politique, c'est un vocabulaire qui fait référence aux 400 ans de présence des francophones en Amérique. Donc voilà, c'est qu'on peut dire finalement que chaque échec politique dans notre histoire fait en sorte que la société se replie sur elle-même, ouais, puis elle essaie de conserver les fondements de la nationalité. Puis François Legault... Sans la souveraineté, donc il faut trouver une autre façon d'exister. Exactement, François Legault... pendant la campagne électorale de 2018, disait qu'il allait devenir un premier ministre économique, qu'il, ouais, allait remettre de l'argent dans le portefeuille, ouais, puis avec des grands projets. Oui, puis c'est de rattraper les autres sociétés sur le plan de la richesse collective. Oui, puis ça aussi, c'est intéressant parce que vous dites, dans le fond, cette idée de rattrapage, dans le fond, c'est une espèce de reliquat de la survivance. Là, on n'aurait pas en parlé parce qu'il y a un chapitre aussi sur la survivance, entre autres sur Éric Bédard, mais cette idée-là de la survivance, elle est omniprésente dans l'identité québécoise. Et là, aujourd'hui, François Legault, qui, ne l'oublions pas, à l'époque où il était ministre péquiste, entre autres, a écrit le budget de l'an 1, c'était considéré comme un caribou, là. C'était considéré comme un pur et dur. C'était un pur et dur, c'était le dauphin de Bernard Landry, oui, c'était le... puis il faut regarder ses vidéos sur YouTube. François Legault, quand il promeut la souveraineté, était très convaincant. Oui, tout à fait. Et là, évidemment, fond de la CAQ, qui est une coalition, il ne faut quand même pas l'oublier aussi, avec des gens qui étaient fédéralistes. À peu près tout le monde de centre-droit, mais il y avait des fédéralistes. Après ça, beaucoup de péquistes. Donc, décide de faire un peu comme Étienne Parent, c'est-à-dire de laisser de côté le côté politique, que le Québec prenne ses outils politiques et finalement, qu'on envoie ça vers l'économique. Donc, et là, l'idée de rattrapage aussi, parce que supposément qu'on sera en retard sur les revenus, entre autres de l'Ontario, des États-Unis. Et là, il y avait le Saint-Laurent-Maritime aussi qui était son grand projet. Et on, dans, ouais, le fond, on abandonne. C'est drôle parce que là, on le voit pendant la pandémie, les chicanes constitutionnelles sur la séparation des pouvoirs, le fédéral qui va empiéter. Puis j'ai hâte de voir un jour si François Legault va revenir à certaines idées qu'il avait, c'est-à-dire que cette fédération-là est peut-être dysfonctionnelle, puis qu'il va falloir aller un petit peu plus loin. Mais là, il est pogné un peu avec le nouveau François Legault. Sans être fédéraliste, mais qui joue le jeu du Canada. Qui joue le jeu du Canada, qui fait front commun avec les autres provinces pour les transferts en santé. Bon, ouais, on est d'accord avec lui, mais bon, c'est lui qui assume la présidence cette année du Conseil de la Fédération, ouais, un organe qui a été mis sur pied par Jean Charest. Donc, bon, il joue le jeu. François Legault s'accommode très bien que le, oui, Québec soit une province dans le Canada. Tout à fait. Son idéologie, qui est celle du rattrapage, est animée par aucun dépassement. Puis on peut se demander si jamais la CAQ réussit vraiment à faire du Québec une province exemplaire. Oui. Est-ce qu'elle va être habitée, pour reprendre le titre de mon ouvrage, par un désir d'achèvement? Oui. Bon, oui, on va faire aller plus loin. L'avenir est ouvert. On va faire aller plus loin si le rattrapage se fait. À mon avis, il va falloir aller plus loin, ça c'est certain. Cela dit, là je termine avec ça, il est extrêmement populaire, même malgré ce qui se passe présentement avec la deuxième vague et les contestations. Bon, comment vous voyez ça, vous? J'ai l'impression que malgré tout que la CAQ est quand même en phase avec le sentiment
collectif québécois actuel, c'est-à-dire qu'on veut que ça fonctionne au sein du Canada, puis on veut payer le moins d'impôts possible, puis avoir, avoir des jobs, puis avoir des fois des petits sursauts avec la loi sur la laïcité, qu'on existe encore, qu'il y a une certaine idée du Québec qu'on connaissait, mais en s'accommodant d'une nouvelle réalité. J'ai l'impression qu'il est vraiment en phase avec une espèce d'ambiguïté qui a toujours été là aussi au Québec. Ben, c'est clair que à partir de 95, surtout après 2003, bon, les libéraux ont été au pouvoir pendant longtemps. C'est comme si les Québécois avaient l'impression d'être, on pourrait dire, en l'absence d'eux-mêmes. Donc, ouais. Depuis 2018, ils ont renoué avec une part d'eux-mêmes qui avait été refoulée. Ouais. Ben, l'essence de la collectivité, la culture, donc la CAQ a été en phase avec ça. Et puis même, c'est ça, c'est sûr que si on veut proposer à nouveau un grand projet politique, ce détour-là, à mon avis, est nécessaire. Fallait se recentrer un peu sur nous-mêmes. Mais le reste à voir ce qui va se passer après. Mais en effet, les sondages le montrent, les Québécois aiment François Legault. Ouais. C'est pas prêt de changer. Non. Et là, je termine pour vrai avec une dernière question. Que pensez-vous, ou est-ce que j'imagine vous suivez ce qui se passe au Parti québécois, cette course qui achève? Je ne sais pas si vous l'avez suivi, j'imagine que oui. Ben oui, j'ai suivi la course avec intérêt, j'ai regardé tous les débats. Je pense que c'est la dernière course du Parti québécois. non, ça c'est certain. Ouais. Et les membres devront se décider à savoir s'ils veulent encore une fois élire quelqu'un de l'establishment du parti. Ouais. Ce que je pense, ben, je vais vous le dire très clairement. Est-ce que Sylvain Gaudreau, ouais. Si Sylvain Gaudreau l'emporte, c'est la fin du Parti québécois. Oui. Et la seule chance, à mon avis, pour le Parti québécois de reconnecter avec la population, ça prend un candidat de l'extérieur qui est charismatique, dont sa pensée a évolué, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Ah. Je pense que c'est la seule chance pour le Parti québécois de se rebâtir. Cela dit, toutes les propositions des candidats à l'effet de faire la souveraineté dans un premier mandat, ça m'apparaît totalement téméraire. Ouais, ouais. C'est complètement déconnecté de la population. Peut-être que ça pourrait aller, vous comprenez, à la fin des années 2020, mais le 2022, référendum, écoutez, j'ai beau être souverainiste moi-même, les Québécois trouvent ça complètement déphasé. Tout à fait. Ben, Alexandre Poulin, merci. Vous avez brisé la glace. Vous êtes le premier essayiste invité à la saison 3. Puis j'invite les gens à lire votre livre, Un désir d'achèvement. C'est publié aux éditions Boréal. C'est un essai, c'est votre premier. Je veux pas faire d'âgisme encore une fois, mais vous êtes un jeune essayiste. Puis je pense que c'est il y a quelque chose d'intéressant aussi à voir. C'est ça qui m'a attiré en premier lieu, c'est d'avoir cette espèce de regard neuf, en tout cas d'une nouvelle génération d'analystes politiques et d'essayistes, de politicologues sur ce qu'on est aujourd'hui en 2020. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre. Et j'ai aimé votre écriture aussi, je dois l'avouer, il faut quand même le souligner. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des projets de livres dans vos cartons. Je sais que c'est toujours plate à se faire poser comme question quand on vient d'en sortir un. j'ai pas commencé à écrire un autre livre, mais j'ai des idées. Il y en aura d'autres. Certaines idées. Il y en aura d'autres. Ça marche. Ben, merci Alexandre Poulin, puis on va mettre toutes les références sur le site, sur la page Facebook La Balado, pour que les gens se garochent chez leur libraire pour acheter votre livre. Merci. Excellent. Je vous remercie de m'avoir invité. Ça fait plaisir. C'est très intéressant. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, avant d'aller rejoindre le duo Raoul Danduresque d'Andréane Bissonnette et de Julie-Pierre Nadeau, évidemment, on va parler du débat Trump-Biden qui a eu lieu mardi. Et là, on a enregistré cette chronique avec Andréane et Julie-Pierre hier jeudi. Là, je sais que vous entendez probablement l'épisode ce samedi au lit avec un café au lait, avec du lait végétal, bien sûr. Et on ne savait pas à l'époque, hier, en fait, quand on a fait la chronique, que Donald Trump avait été testé positif à la COVID. Donc, évidemment, ça ne sera pas abordé. J'ai hâte de voir. Là, c'est pour ça que la show, j'ai pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion à avoir, mais c'est que j'écoutais Isabelle Maréchal ce matin avec Christian Dufour. Christian Dufour, qui, je crois, pourrait revenir à la balado. Ça avait été intéressant l'an dernier. Il était venu parce qu'il avait publié un livre. Je sais qu'on l'entend comme chroniqueur à Radio-Canada, entre autres. Et lui, en revenait pas parce que là, Isabelle Maréchal a ouvert les lignes. Et là, la plupart des auditeurs du 98.5 disaient que c'était probablement une fake news. En fait, pas que c'est pas vrai, mais que c'était une stratégie de Donald Trump pour attirer la pitié, pour en fait pour sortir guéri de cette grippe-là et de continuer à nier
l'existence de la COVID comme une maladie qui peut apporter ses complications. Et c'était quand même drôle. Christian Dufour était très découragé par le monde dans lequel on vit. Je trouvais que les gens étaient très cyniques, mais en même temps, est-ce qu'on peut accuser les gens d'être cyniques quand on a un homme comme Donald Trump à la tête des États-Unis qui est peut-être ce qui se rapproche le plus de l'ultime version du cynisme en politique? J'ai hâte de voir si... j'ai peur de voir s'il y aura des complications. On souhaite la mort de personne. Mais j'ai hâte de voir s'il va s'en servir politiquement pour justement nier les effets de la COVID sur les États-Unis, sur la santé des gens. Puis voilà. Alors, juste pour dire que on ne savait pas quand on a fait la chronique d'Andréane et de Julie-Pierre hier. Et je vais vous parler de la campagne de financement. Évidemment, j'en ai pas parlé en intro, parce que je vous en ai parlé beaucoup dans les dernières semaines. On est à 50%, je suis vraiment content, parce que l'an dernier, quand on a commencé les épisodes, on commençait la campagne également en parallèle, on était à zéro. Cette année, je rappelle, l'objectif, c'est 60 000 $. On n'aura pas de contrepartie sur la ruche. En fait, je ne fais pas. J'ai décidé de ne pas aller de l'avant avec la ruche parce que je veux éliminer tous les intermédiaires pour que tout l'argent aille le plus possible aux artisans qui rendent possible cette balado-là. On a envoyé une infolettre hier. Ça a été très bien reçu, on le sait, les gens ont répondu en grand nombre. Je veux m'excuser parce que je sais qu'il y a des gens qui ont donné déjà cette année. Moi, j'ai fait le mailing list, en fait, pour l'infolettre, en partant des dons qui sont rentrés à cette campagne-ci. Puis il y a eu des doublons, visiblement, que j'ai pas vu. Donc, il y a des gens qui ont reçu l'infolettre, qui leur demandaient de participer, ils l'ont déjà fait, donc je m'en excuse. On est une petite équipe, des fois, on fait des erreurs. Mais voilà, donc l'infolette, elle va revenir aussi parce qu'on n'en avait pas dans les deux premières saisons. Je pense que c'est cool de pouvoir vous rejoindre directement avec cette infolettre-là. Surtout que vous avez le choix de vous désabonner si ça ne vous intéresse pas. Et on va pouvoir annoncer le contenu exclusif parce qu'avec avec un don de 60 $ et plus pour cette saison-ci, vous aurez droit à du contenu exclusif qu'on va offrir sur le site web lefredsavard.com. Vous n'aurez qu'à vous inscrire dans la zone privilèges. Oui, les privilèges, on les remet en question à bien des niveaux, mais à la balado, on en met de l'avant des privilèges, et c'est le privilège des donateurs qui donneront 60 $ et plus. Donc, vous aurez accès à la balado Brouillon de culture que je vais enregistrer avec plusieurs collaborateurs. On va parler de culture, en fait. Donc, suggestions, livres, cinéma, musique, balado. Vous aurez accès à ce contenu qui sera périodique, peut-être aux deux semaines ou aux trois semaines, les épisodes. Il y aura aussi des vidéos, parce que je sais que la vidéo, on n'en a pas beaucoup à la balado. J'aimerais ça en vous offrir plus pour que vous voyez les faces des collaborateurs et des collaboratrices. Peut-être aussi des entrevues intégrales qu'on n'a pas le temps. Mais souvent, on les met toutes quand même à la balado. Mais des fois, les épisodes sont très longs. Et c'est ça. Donc, on va développer ce contenu exclusif pour les donateurs. Parce que je sais aussi que en envoyant l'infolettre, il y a des gens, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui se sont un peu plaints du fait que l'an dernier, il y avait des contreparties qui étaient offertes puis qui n'ont pas réussi à les avoir. Évidemment, la pandémie a compliqué la situation parce qu'il y avait des contreparties qui impliquaient que j'étais votre chauffeur privé pour 4 heures. Bon, évidemment, on ne peut pas faire ça en temps de pandémie. Il y avait aussi des contreparties qui permettaient aux gens de venir assister à des enregistrements, mais là, c'était pas simple avec les disponibilités des donateurs qui avaient droit à ce forfait-là, avec nos disponibilités. Tout ça fait que cette année, j'ai décidé de pas aller avec une plateforme de sociofinancement pour me libérer un peu de ce rôle de géo que m'obligeaient ces contreparties-là. Pour les gens qui donneront donc 60 $ par année, vous aurez du contenu. Excusez, vous pouvez le faire en participant sur le site web, sur le bouton PayPal. Ceux qui sont pas à l'aise avec PayPal, on peut accepter. En fait, vous pouvez le faire avec des virements Interact. Le virement Interact, donc, au balado fredsavard@gmail.com. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man. Ah, alors quand on entend des politiciens américains, habituellement, c'est qu'on retrouve nos amis de la chaire Raoul Dandurand. Puis là, c'est le premier épisode de la saison. Fait qu'on y va avec un doublé. C'est un duo Raoul Danduresque, Julie-Pierre Nadeau. Hey, ça fait longtemps qu'on vous avait pas entendu à la balado. Salut! Bonjour! Comment ça va? Ça va toujours bien. Ouais, et en plus, on a Andréane Bissonnette. Elle, on l'a entendu un petit peu plus à la saison 2. Comment ça va, Andréane? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Donc, voilà, il y avait un débat bardi. Là, je vais vous faire une confidence.
je suis peut-être un mauvais élève, malgré que je ne suis pas un élève, mais je n'ai pas écouté le débat parce que je m'attendais à au chaos et je savais que vous allez venir. Là, je me suis dit, dans le fond, je vais me garder cette petite fraîcheur et vous entendre raconter ce débat. Puis là, évidemment, on le sait, il y a eu d'autres analyses. Là, on est samedi. Nous, on enregistre jeudi, mais les gens l'écoutent le samedi. Il s'est dit beaucoup de choses. Je vous avais mis une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire d'aller idéalement, si on est capable d'aller un peu au-delà de ce qu'on a entendu, puis je l'ai fait parce que je sais que vous êtes capable. Rien de moins. On commence avec quoi? On peut y aller avec quand même un petit wrap-up là, du débat, parce que même si ça fait déjà quelques jours, oui, c'est pas tout le monde avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler ce qui a été dit. Mais effectivement, là, c'était une soirée de débat qui a été cacophonique, je pense. C'est un des mots qui ressort cette soirée-là, où ça a été plus difficile là, d'entendre les deux côtés, puis d'avoir vraiment des discussions sur les politiques proposées, puis en fait sur des solutions aux enjeux. Puis à ce niveau-là, moi je suis d'accord avec les analyses qui ont été faites cette semaine à dire que le grand perdant en fait du débat de cette semaine, c'est le public américain qui n'a pas pu en fait entendre des propositions des deux côtés, et également pour le peu d'électeurs qui sont encore indécis, donc à peu près 6% de l'électorat, de se faire une tête après ce premier débat est assez difficile. Effectivement, moi aussi, j'ai trouvé que c'était pour citer l'animateur, en fait le modérateur de la soirée, Chris Wallace, de Fox News, qui a dit, en fait, il a résumé la soirée en disant que c'était une opportunité ratée. Je trouvais que c'était quand même bien résumé parce que, comme Andréane l'a dit, c'était une opportunité ratée pour les électeurs de mieux s'informer. C'était aussi une opportunité ratée pour Donald Trump d'aller gruger des appuis parce qu'on sent qu'il a bien parlé à sa base. Mais là, si on regarde la campagne électorale, parler à sa base, c'est pas suffisant. Il faut qu'il aille chercher d'autres électeurs et c'est pas avec le ton qu'il a employé cette semaine qu'il va réussir à le faire. Est-ce que c'était pas prévisible? Vous avez le nez collé sur la politique américaine. Puis, tu sais, je ne l'ai pas écouté parce que j'avais l'impression que c'est... Puis, sincèrement, Joe Biden n'a pas l'air de quelqu'un à l'aise en débat en général. Et face à Donald Trump, on pouvait s'attendre à ça, dans le fond. Donald Trump n'est pas un homme d'idées. J'imagine que vous n'êtes pas étonné du résultat. En fait, on pouvait s'attendre à un certain style dérangeant. Donald Trump l'avait fait un peu en 2016, mais je pense que le « un peu » est important ici parce que là, cette semaine, il ne s'est pas contenté de lancer des pointes une fois de temps en temps pour déconcentrer son adversaire comme il l'avait fait avec Clinton. Il a parlé par-dessus M. Biden, par-dessus M. Wallace pendant toute la soirée. Donc, il a essayé de monopoliser la scène et en fait, ça a servi personne aussi. Ouais. Bon, évidemment, un des thèmes qui est attendu, c'est la Cour suprême. La déstabilisation face au décès qui est arrivé récemment de la juge progressiste. Donc, ça a été abordé assez rapidement. Vos impressions? Oui, bien en fait, on s'attendait à ce que l'enjeu soit traité pendant la soirée. Ça avait été annoncé avant le début du débat, mais ça a été réellement le premier enjeu sur lequel les candidats ont eu à se prononcer. Donc, la première série de questions. Puis, il faut se le dire, là, même si globalement le débat a été cacophonique et un peu plus difficile des deux côtés, cette séquence-là de questions a été une bonne séquence du côté de Donald Trump parce qu'il a réellement pu défendre son point. Et en fait, il n'a pas tort de dire qu'un président est élu pour 4 ans et donc que s'il y a une vacance à la Cour suprême, c'est son pouvoir de nommer quelqu'un pour remplacer cette personne. Et c'est important de souligner qu'à ce niveau-là, Donald Trump n'est pas lié par les discussions qu'il y avait eues en 2016 avec les sénateurs où des sénateurs républicains avaient, on se rappelle, refusé de confirmer une nomination du président Obama à ce moment-là en disant qu'on était en allée électorale. Les sénateurs peuvent... être affecté négativement auprès de l'électorat de par le fait qu'on brise cette règle non écrite-là. Mais du côté de Donald Trump, il a très bien pu présenter son point et défendre sa position, qu'on soit d'accord ou pas avec le fait de nommer une juge si près de l'élection. Oui. Il a quand même bien présenté son point. Et ça reste un enjeu qui pourrait être important donc pour les électeurs, donc d'avoir une discussion qui, à ce moment-là du débat, était un petit peu moins cacophonique que la suite des choses, a tout de même été intéressant pour entamer le débat.
Et par la suite, donc, il y a eu d'autres enjeux centraux, mais qui ont été un petit peu plus difficiles. Oui, entre autres, Julie-Pierre Nadeau, les changements climatiques, on s'attendait à ce que ce soit un thème important, bien que... En fait, au départ, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit un thème important. Ben, c'est ça, je m'écoutais dire ça, mais en même temps, je disais « ben non! » Ça avait été critiqué parce que M. Wallace avait annoncé à l'avance les thèmes du débat et ça a été critiqué qu'il n'avait pas choisi les changements climatiques. En fait, c'est une frustration qui est récurrente depuis quelques années que les changements climatiques ne soient pas un enjeu d'envergure, ne fassent pas l'objet d'un segment à lui seul dans les débats. Et là, donc, ça crée la surprise qu'il décide de rajouter ce segment-là vers la fin du débat. Excusez-moi, juste pour comprendre la mécanique, ça, c'est laissé à la discrétion du modérateur? Oui. OK. Les modérateurs ont le choix de thème. C'est approuvé par la commission. On ne pourrait pas se lancer dans n'importe quoi non plus. Mais c'est à l'insu des candidats. Exactement. Okay. Donc, les candidats n'ont pas de mots à dire sur les thèmes. Mais ils ne peuvent pas refuser de dire non, ça, je veux absolument aborder ça. Et en accord avec l'autre candidat, dire oui, tous les deux, c'est pas possible, ça. En fait, le modérateur a toujours la liberté de poser les questions qu'il veut. Okay. Et c'est ce qu'on a vu, justement, parce que les changements climatiques n'étaient pas à l'horaire annoncé. Et Chris Wallace s'est permis de poser des questions. Ça a mis Donald Trump un peu dans l'embarras parce qu'il a essayé de défendre son bilan, mais ça s'est vite retourné contre lui. Il a essayé de défendre la déréglementation qu'il a entamée il y a quelques années, donc abolir tout le cadre réglementaire qu'Obama avait mis en place, qui avait été mis en place parfois même avant ça. Il a essayé de se défendre, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça a été une opportunité pour Joe Biden, en fait, ce segment-là, d'expliquer son programme pour les changements climatiques, mais en même temps, son plan de relance de l'économie, parce qu'on le sait, les deux sont liés. Joe Biden qui veut miser, entre autres, sur les infrastructures et sur l'énergie verte pour créer beaucoup d'emplois stables aux États-Unis. Donc, c'était une bonne manière pour lui d'en parler. Et là, je prêche pour ma paroisse, mais c'est peut-être le segment où on a un peu entendu parler de politique étrangère parce qu'il y a eu un léger désaccord sur l'accord de Paris. Ouais. Évidemment, Joe Biden qui dit qu'on devrait réintégrer l'accord de Paris et que les États-Unis doivent revenir des leaders sur la scène mondiale parce que sinon, on le voit en ce moment, l'accord ne mène pas à grand-chose et d'autres pays se permettent de ne pas respecter leurs engagements. Avez-vous l'impression qu'il a marqué des points? Est-ce que c'est un enjeu qui rejoint l'électorat? Puis là, j'allais sûrement me dire que chez les jeunes, oui, mais est-ce que les jeunes votent à ce point? Mais évidemment, là, les deux candidats et Andréane, tantôt, vous disiez que dans le fond, les débats visent à essayer de convaincre le 6% d'indécis parmi ce 6%-là. Est-ce que cet enjeu-là, environnemental, rejoint les indécis? C'est un enjeu qui rejoint une base de plus en plus grande d'Américains. En fait, on le voit même chez les Républicains. Là, vous allez me dire, c'est chez les jeunes républicains, mais même chez les républicains, on commence à dire qu'on doit parler de changement climatique. Et ça augmente d'autant plus qu'il y a de plus en plus de villes, il y a de plus en plus de régions qui sont touchées par les conséquences des changements climatiques. Oui. En Californie, entre autres, des feux inondés, en Californie. Il y a les feux en Californie, il y a des endroits en Floride où on commence à détruire des habitats parce que il y a la hausse des eaux. Ouais. Donc, il y a toutes ces mesures-là qui sont englobées dans le sujet général, mais qui affectent le quotidien, en fait, des gens un peu partout aux États-Unis. Donc, Andréane, j'imagine que, en fait, est-ce qu'on peut lier santé et environnement? Parce que là, en temps de COVID, évidemment, l'enjeu de la santé est extrêmement important. Il y a une crise d'opioïdes, il y en avait déjà une avant. Il y en a une, on commence à en parler ici aussi au Québec d'une certaine détresse liée à la pandémie. J'imagine que ça a été un sujet important dans le débat. Oui, absolument. Puis en fait, comme Julie-Pierre le présentait, là, on voit en fait les répercussions sur le quotidien des enjeux environnementaux. Et lorsqu'on sonde l'électorat, notamment l'électorat latino-américain, va citer les enjeux environnementaux relativement assez haut là, dans leur liste de priorités parce que c'est une communauté chez qui les problèmes asthmatiques sont particulièrement présents. Ah, oui. Et donc, on voit que santé et environnement sont assez liés. Donc, deux thématiques qui, à travers les années, fluctuent en termes d'importance dans les débats, mais qui sont quand même intéressants à regarder là, pour voir le comportement électoral. Et on a vu donc la santé être abordée pendant le débat de cette semaine.
des fois de façon directe, donc avec les questions sur la COVID-19, bien évidemment, ou du côté de Donald Trump, on a tenté de défendre le bilan de l'administration, notamment en remettant en cause les chiffres officiels des autres États et en martelant le caractère politique aussi d'un vaccin. Oui. Mais Biden a bien fait en rappelant en fait la mauvaise gestion de l'administration et à ce niveau, on peut écouter un extrait du débat. The president has no plan. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape as acknowledging he knew it. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American people. You don't panic. He panicked. Donc, dans cet extrait, on entend Biden accuser Donald Trump d'avoir minimisé les impacts de la pandémie. Et on se rappelle, on en avait parlé à la balado, en fait, des conséquences des fausses solutions que Trump avait vantées en début. Et donc, de ce couple en Arizona, notamment, qui avait pris des pastilles de chloroquine et dont l'homme a malheureusement perdu la vie. Donc, ce sont des impacts sérieux qui ont été remis de l'avant par Biden. Mais également, un des points qui a été moins soulevé par la suite du débat, c'est lors d'un échange entre Biden et Trump sur les fils de Joe Biden, donc Hunter et Beau Biden. Donald Trump a accusé... C'était une thématique plutocratie, en fait, critique de la plutocratie. Oui, donc du côté de Donald Trump, on voulait vraiment là faire des pics contre Hunter Biden. Et je trouve que sur ça, Joe Biden a quand même bien repris la balle et a notamment fait référence à toute la crise des opioïdes. Et c'est un enjeu qui est particulièrement saillant. Et on a vu que COVID-19 et crise des opioïdes se sont rejoints ce printemps, alors qu'il y a une augmentation du nombre de surdoses, notamment dans les États du Midwest, donc où Joe Biden a fait campagne dans les jours qui ont suivi le débat également. Donc, c'était un élément qui est intéressant et qui a passé un petit peu sous le radar parmi tout le reste de la couverture sur le débat, mais que je trouvais qu'il était intéressant de rappeler parce que pour plusieurs électeurs, les enjeux de santé sont prépondérants dans la façon dont ils vont voter le 3 novembre, que ce soit sur le Affordable Care Act, la question des opioïdes ou la gestion de la COVID-19. Julie-Pierre, évidemment, les tensions raciales qu'ont vécu les États-Unis et les violences raciales aussi devaient occuper une partie du débat. Et selon vous, ça a peut-être amené des moments les plus intéressants du débat. Oui, ça a amené des moments très intéressants parce que ça a permis, premièrement, à Joe Biden de rappeler pourquoi il s'était lancé dans cette campagne-là. En fait, c'est Chris Wallace qui a tendu une perche à Joe Biden. Et donc, l'ancien vice-président a expliqué que c'est en regardant Donald Trump après les événements de Charlottesville, on se rappellera Donald Trump qui avait dit qu'il y avait des bonnes personnes des deux côtés. Et c'est ça qui avait découragé Joe Biden à un point tel qu'il s'est dit « il faut que je me lance dans la course, on ne peut pas laisser Donald Trump alimenter les divisions à ce point-là ». Et ça, c'est un segment intéressant parce que ça a permis aussi les contrastes sur notamment la question du racisme systémique. Joe Biden s'est empressé de dénoncer les problèmes de racisme systémique, notamment dans le système judiciaire, alors que Donald Trump, lui, a continué de défendre le fait qu'il a retiré des agences fédérales une formation sur les discriminations raciales parce qu'il dit que cette formation-là enseigne aux gens à haïr les États-Unis et parce que ça dit que les États-Unis, c'est un pays raciste, en fait. Donc, il prend très mal, en fait, tout ce qui est accusation de racisme systémique. On dirait qu'il le prend personnel. Donc, c'était pas C'est drôle parce que je ne vais pas faire de comparaison boiteuse avec notre premier ministre François Legault, mais à chaque fois qu'un journaliste pose une question en point de presse, entre autres, on l'a vu avec ce qui est arrivé à Joliette en début de semaine, et on a toujours l'impression qu'il le prend personnel au nom des Québécois, que les Québécois ne sont pas tous racistes. Et là, j'arrête la comparaison. Là, Trump n'a rien à voir. En fait, François Legault n'a rien à voir avec Trump. Ben, rien à voir. Peu à voir, très, 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 très peu à voir, mais il y a un parallèle à faire parce qu'il prend personnel. Il n'y a aucune réflexion possible, on dirait. En fait, on sent
du côté de Donald Trump que c'est d'une part une attaque, mais c'est aussi une façon pour lui de ce qu'on a de créer une tactique de ce qu'on appelle en anglais le dog whistle. Oui. Donc, c'est d'aller chercher des éléments qui vont tout de suite interpeller certains électeurs, certains auditeurs et amener chez eux une réaction qui est quasiment viscérale. Donc là-dessus, effectivement, ça rejoint un peu d'autres politiciens peut-être. Mais somme toute, de tous ces éléments-là, ce qui ressort le plus du segment sur les tensions raciales, c'est à mon avis la plus grosse gaffe de Donald Trump au cours de la soirée. Je vous laisse écouter. Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha? Sure, are you I'm prepared willing to specifically do, that, but do it? Well, go I would ahead, say, sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you, what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name. White supremacists and white militia. Who would you like me to condemn? White supremacists and right Proud Boys. Stand back and stand by. Donc, on l'entend même quand ça lui est offert sur un plateau d'argent l'opportunité de donner une réponse claire. Donald Trump refuse de dénoncer les milices d'extrême droite et les suprémacistes blancs. Alors, là, Julie-Pierre, j'ouvre une parenthèse parce que j'ai essayé de trouver l'extrait de la saison 1 de cette balado. Où j'ai déjà dit, et je pense que c'est la saison 1 de la balado, mais je l'ai dit aussi, je pense que j'ai déjà dit au 98.5 l'été passé, que moi j'avais l'intuition que Donald Trump n'allait pas accepter une défaite aux prochaines élections, qu'il allait se maintenir au pouvoir et allait même se servir possiblement de milices citoyennes pour créer peut-être une sorte de guerre civile. Je sais que ça a l'air grotesque, j'imagine, quand on est chercheur à la chaire Raoul Durand et qu'on se dit « voyons non, ça se peut pas », mais tabarouette, et je vois passer des articles des journaux de plus en plus que les gens commencent à dire « eh boy, ok, c'est dangereux, il va peut-être effectivement rester au pouvoir ». Je rajouterais même un autre élément. Le lendemain du débat, Donald Trump a lancé une publicité qui appelait les gens à s'inscrire à la Trump Army. En fait, ce serait des gens qui auraient vérifié les bureaux de vote pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude électorale, comme si les instances habituelles n'étaient pas capables de mener le vote comme ça s'est toujours fait. On a connu ça ici avec Duplessis qui envoyait des fiers à bras dans les bureaux de vote, mais pour dissuader les gens d'aller voter pour un autre parti que l'Union nationale. On sent qu'il y a une petite touche de suppression de vote aussi dans ce discours-là. C'est à peine camouflé. Et en fait, ce qui est dangereux avec ce discours sur les milices d'extrême droite, c'est que Donald Trump vient contredire même ses propres autorités, parce que le directeur du FBI et un rapport du Homeland Security ont tous les deux dit récemment que les groupes suprémacistes blancs représentent la menace la plus grave en termes de terrorisme aux États-Unis en ce moment. Ben oui. Le Homeland Security est allé dire que ça supplante même les menaces venant de l'extérieur. Pour le moment. Donc, c'est un problème qui est en croissance, qui reste dangereux. Et là, on voit que Donald Trump continue de jeter de l'huile sur le feu. D'ailleurs, le groupe qu'il mentionne, les Proud Boys, eux se sont réjouis d'être mentionnés pendant le débat. Donc, ça légitimise d'une certaine façon. Mais en fait, c'est tout le contraire de ce qu'on souhaitait. C'est tout le contraire d'une dénonciation, dans le fond. Bon, là, il va avoir le prochain débat est prévu. Quand? Le 7 octobre. 7 octobre. C'est le débat de la vice-présidente, Kamala Harris contre Mike Pence. Ça risque d'être moins chaotique. Possiblement, oui. Mais Mike Pence, c'est beaucoup plus calme que Donald Trump. Et du côté de Kamala Harris, ses performances aussi en débat sont beaucoup plus sur les idées, sont très intéressantes aussi à regarder. Donc, on croise les doigts pour avoir beaucoup plus sur les enjeux et moins sur la cacophonie. Ben, Julie-Pierre Nadeau, Andréane Bissonnette, merci beaucoup. Je vous promets que la prochaine fois, je vais écouter le débat. Là, j'ai pas eu le temps, j'ai une semaine de fou. J'avais un tournage pour cette année-là, entre autres, en début de semaine. Préparer la saison 3, la campagne. En tout cas, j'ai eu une semaine capotée et je savais que vous alliez être là pour m'expliquer tout ce qui s'est passé. Mais je vais écouter le prochain débat, promis, parce que c'est mon travail. Puis je vais pouvoir encore mieux vous écouter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais pas si vous allez être là les deux la prochaine fois, parce que vous êtes très occupés aussi, chacune de votre côté. Mais on va
va vous retrouver de toute façon tout au long de la saison, tout dépendant de l'actualité. Il va en avoir, l'actualité américaine, évidemment, avec les élections. Alors, merci vraiment infiniment d'avoir été là pour ce premier épisode de la saison 3. Merci à vous. Salut. Ça fait plaisir. Ah, voilà le moment tant attendu pour bien des gens parce qu'on nous a écrit beaucoup cet été. On a hâte à Balado, on a hâte à Godefroy. Il est où, Godefroy? Alors, Godefroy Laurando, salut! Ça doit être fatigant pour vous, ça. Pas du tout. Partager la gloire. Ah, pas du tout. C'était un show de chronique, cette affaire-là. Ben oui, on fait des blagues. Moi, je l'ai eu, ma gloire. De revenir. J'ai eu, j'ai trois Gémeaux. Déjà oui. Trois Gémeaux. Un Olivier. Ça passe vite. Hein? Ça passe vite quand on ouais. S'amuse. Alors, vous me reparlerez quand vous aurez trois Gémeaux, Godefroy. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que vous êtes Gémeaux sur le plan astrologique, je pense. Absolument. Je suis Gémeaux et là, on s'enfonce dans. Voyez, vous en avez un déjà. Plus on parle d'astrologie, plus on se rapproche de politique américaine. Et de Lucie Laurier. Et de. Qui sont un combat, je pense, qui peuvent se réunir éventuellement. Oui, mais attendez, là. Est-ce que votre chronique va nous parler de politique américaine? Parce qu'on en a parlé tantôt. Là. Non. Non, Fred, sauf que, puis je ne l'ai pas entendu, moi, ce que vous avez pu discuter avec nos expertes, mais j'ai bien hâte de l'entendre, mais je suis tombé parmi la multitude de podcasts que j'ai écoutés cette semaine. Oui, mais là, je vais vous arrêter, arrêter tout de suite, Godefroy, mm-hmm. parce que Fred, c'est vraiment, j'aurais une recommandation extraordinaire à faire à nos auditeurs. Oui, mais vous ne la ferez pas tout de suite, parce que cette année, vous savez, Godefroy, on en parle ensemble, la campagne de financement qui bat son plein, mais il y a une nouveauté cette année, c'est qu'il y a un contenu exclusif pour les gens qui donneront 60$ et plus, et vous ferez partie de ce contenu exclusif. Oh là là, ça c'est chien. Donc, pour entendre cette fameuse suggestion que j'ai à vous faire... C'est suggestion parce que... Ben oui. Oui. Mais notamment celle-là. Oui. On dit que c'était bon. Oui. Ah, ben coudon, on met ça en réserve sur la glace. Ce sera dans le brouillon de culture qui sera disponible pour les donateurs. Et il y aura des suggestions cinéma avec Hélène, évidemment. Je vais parler de musique aussi. Il va y avoir des suggestions livres avec notre nouveau collaborateur, le libraire... de la librairie du Square, Éric Girard. Et il y aura vous qui allez nous faire des suggestions balado. Maudite bonne idée. Ça, j'ai bien hâte, Fred. Mais donc, alors je le garde en réserve. J'en ai tellement à vous dire. Si vous voulez entendre Godefroy, donnez. Donnez! Et puis, pour vous donner des petites nouvelles de moi, Fred, je ne suis pas, si je sonne différent, c'est parce que j'ai déménagé, un peu comme vous. Ben oui, oui. Mais contrairement à vous qui avez augmenté votre qualité de vie, je suis passé d'un demi-sous-sol dans un quartier chaud de Montréal, pas quartier chaud sur le plan COVID, mais sur le plan social. Sur le plan, et là, oui. je suis rendu en face d'une ancienne université, l'Université de Montréal. Ah, pourquoi ancienne? Parce qu'à l'époque, il y avait des étudiants ici qui se présentaient, puis il y avait une foule de commerces, puis c'était vivant. Donc, je suis encore dans un demi-sous-sol. J'ai éteint mon réfrigérateur. Fred, il faut me rappeler de le rallumer tantôt, parce que sinon, on aurait entendu juste ça. C'est pas des blagues. Ouais, je comprends. Je fais des Mais ça, c'est temporaire, parce que là, vous faites le garçon qui fait pitié, mais vous avez vous êtes propriétaire. Absolument, je suis propriétaire, mais on a choisi, mon ex et moi, de garder les enfants dans la maison. Oui. Et nous, on sort à chacun notre tour, ce qui fait que les enfants sont stabilisés dans une époque où il n'y a pas grand-chose qui l'est. Dans une bulle? Oui, ils sont dans une bulle. Oui. Et donc, je suis super content, puis je suis un peu chez moi, ce qui est nouveau, parce qu'avant, j'avais des colocataires. Oui. Là, j'ai la paix. Mais il était bien fin. Ben oui. Mais là, je suis tranquille, puis il n'y a personne qui va me déranger pendant que je fais mes chroniques fantastiques. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, Fred, juste pour que les auditeurs sachent un peu à quoi s'attendre, évidemment, on n'a pas eu tellement le choix. Là. C'est pas compliqué. On a fait des jokes cet été qu'on allait reprendre avec la deuxième vague. Oui. Et on enregistre jeudi aujourd'hui, qui est le jour 1 de la zone Montréal rouge. Ou le Québec en zone rouge. Oui. Et non, Fred, on ne parlera pas que de la COVID, même si j'ai adoré faire ça. On va vraiment essayer de se garder du temps pour en parler un peu, mais pour toucher d'autres sujets, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et puis, ça me tente de toucher à d'autres choses, puis on était d'accord là-dessus. Oui. Mais Fred, pour commencer, on va parler un peu de pédagogie. Oui. Parce que notre premier ministre, c'est votre spécialité, ça. On peut dire que c'est rendu ça maintenant. Je ne me vois pas comme un spécialiste, mais force est d'admettre que j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Oui. La pédagogie auprès des enfants, oui. Mais aussi auprès des gens qui nous écoutent à la radio. Oui. Parce que c'est ce que je fais, j'explique des choses. Oui, mais collectivement, on est parfois un enfant... Absolument. Et plus on est nombreux, plus on est comme un enfant. Et justement, Fred, on a un clip de notre premier ministre qui s'adresse un peu à une partie de la population, un petit peu comme s'il était tanné des enfants. Allez-y. Il faut faire quelque chose, il faut agir. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui mettent la vie des autres en danger, ben là, ils vont comprendre. Ouh. Bon, il n'est pas là pour niaiser.
Non, pas du tout. Et puis, c'est intéressant parce que le parallèle avec la pédagogie m'est venu tout seul. J'avais préparé autre chose, encore une fois. Puis, en écrivant la chronique, je me suis dit, ah, tiens, on va déraper un peu, on va dériver. Et il parle de se faire comprendre. Hein? Oui. Ces gens-là qui ne comprennent pas, fait référence aux gens qui, bon, qui... Les mortels. Les anti-masques ou, en fait, tout simplement ceux qui ne respectent pas les consignes de la santé publique. Oui. On s'imagine des gens qui sortent dans des bars sans faire attention, qui se font des parties privées, oui. qui regroupent plusieurs personnes, qui ne mettent pas de masque en public, bon, etc. Et là, on dit que si ces gens-là ne comprennent pas, bien là, on va les faire comprendre. Oui. Évidemment que la réalité, on joue sur les mots, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ces gens-là, c'est pas qu'ils comprennent pas dans bien des cas, c'est qu'ils sont pas d'accord avec la vision que la santé publique a retenu oui. et transmet au gouvernement et oui. que lui, en ajoutant sa petite sauce politique, nous transmet comme étant leur vision. Je ne pense pas que ces gens-là vont comprendre plus après une amende de 1 500 $ avec les frais et une visite de policier. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être vraiment, vraiment frustrés. Ils vont être en réaction, mais ils vont être contraints et ça se pourrait qu'une amende de 1 500 $ dissuade les gens. Oui. Mais on ne va pas leur faire comprendre. Et donc, on n'est pas vraiment en pédagogie ici, on est ailleurs. On veut ramener un comportement qui est inadéquat vers un comportement adéquat. Et laissez-moi vous dire qu'en CPE, on fait ça souvent. Oui. Mais depuis les années 60, on essaie beaucoup, beaucoup d'éviter le terme de punition. Parce que, entendons-nous, une contravention de 1 500 $ ou une contravention de stationnement, c'est ce que j'appelle une punition d'adulte. Oui. C'est pas compliqué, c'est ça que c'est. Je t'explique pas grand-chose, je te dis juste, t'as pas le droit de te stationner là, ou ça suffit les parties, fini les folies, on vous donne une amende, c'est une punition. Ouais. Donc, c'est qu'on t'inflige quelque chose de pas le fun pour que t'arrêtes de faire ce que tu faisais. Ouais. C'est ça, une ouais. punition. Ouais. Or, en pédagogie, là, on a compris qu'une punition, ça peut être très peu efficace. Est-ce que souvent ou rarement? Ben rarement. Rarement. Il y a toujours une meilleure façon qu'une punition, c'est ouais. bien certain. C'est certain que, comme dans bien des cas, la punition, c'est quelque chose de rapide et qui fonctionne à court terme. Ouais. Donc, tu lèves le ton, tu dis à l'enfant d'aller dans sa chambre, ben il arrête de niaiser puis il s'en va dans sa ouais. chambre. À moins qu'il soit en opposition, ce qui est une toute autre affaire. Et on pourrait voir nos anti-masques un peu comme ça aussi. Ouais. Mais bref, en CPE, Fred, on va éviter les punitions. Ben, en CPE, en éducation en général, on va parler plutôt de conséquences. Ah. Et là, il faut bien faire attention, parce que vous allez entendre ça dans les parcs, moins maintenant, parce qu'on n'a plus le droit d'y aller, mais on entend ça des parents qui vont dire « Hey, si tu refais telle affaire, tu t'en vas en conséquence. Oui. » Mais là, on s'entend bien que dans la majorité des cas, on dit « conséquence » au lieu de dire « punition », mais finalement, on ne comprend pas vraiment la nuance entre les deux. Et là, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui, Fred, dans le fond, à vous et à notre public avide de connaissances. Oui. Donc, retrait de privilège, mais bien, on ajoute quelque chose de désagréable pour que tu arrêtes de faire ta niaiserie. Oui. Donc, ça t'apprendra. Mais le problème, c'est que quand tu es en punition dans ta chambre ou en retrait sur une chaise dans un CPE ou que tu tiens dans ta main une contravention de 1 500 $, oui. tu n'es pas en train de te dire « Ah, j'ai pas fait assez attention au bruit dans mon local. » Ou encore « Ah, j'ai mis en jeu la santé de certains Québécois plus fragiles. Oui. » Non. Ce que tu planifies, c'est comment tu vas brûler la maison du policier qui vient de ou encore tuer dans ton sommeil l'éducateur qui t'a puni. Bon, je dramatise un tout petit peu. Il existe d'autres façons de faire, Fred. Évidemment, On suggère pas ça du tout à nos auditeurs, aux auditrices. Allez pas tuer dans leur sommeil vos éducateurs. Ben moi, je dirais aux enfants, Fred, de stand down et stand by. OK. OK. Ah. Hein? OK. Vous expliquerez ça à vos auditeurs plus tard. Ben non, c'est pas vrai. Fred, la conséquence, il y en a deux sortes. La première, c'est la conséquence naturelle. La conséquence naturelle, pour vous la mettre le plus simple possible, là, c'est un enfant qui court dans une maison oui. et vous êtes écœuré qu'il court et vous vous dites, il y a deux affaires. Il y a la raison cachée dans votre tête, c'est « il m'énerve ». Et l'autre raison, c'est « il risque de se faire mal oui. ». Et si on se dit que la conséquence naturelle, c'est « si je n'interviens pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, il risque de se faire mal ». Et oui. si on est prêt à dealer, à accepter cette conséquence-là, ben, on peut très bien laisser l'enfant apprendre par lui-même en tombant oui. et en disant « si tu avais marché, ou si tu avais été tranquille en train de faire un casse-tête, tu ne te serais pas fait mal. Oui. Et là, il y a quand même des chances que
l'information qu'on passe fasse son chemin, même dans le cerveau d'un enfant de 3 ans, de 4 ans, ou un adulte de 35 ans. Oui. Ça, c'est la conséquence naturelle. Mais si si ce que tu veux dire à ton enfant, c'est « Hey, tu ne traverses pas la rue Saint-Denis au coin de Jarry parce que tu risques vraiment de mourir. Oui. » Tu ne peux pas te dire « Ben, je vais le laisser traverser. » Puis il va apprendre. On verra. Non, parce que quand il va avoir un 18 roues sur le bord de la face, oui, il va être trop tard. Hein? La conséquence naturelle coûte trop cher. Oui. Et y a dans bien des, puis dans le cas, dans le cas par exemple, de nos amis des anti-masques, ben, la conséquence naturelle de les laisser faire ce qu'ils font, c'est pas eux qui vont vivre cette conséquence-là. Ça va être d'autres gens assez loin de la chaîne. Et donc, ces gens-là ne pourront pas tirer de conclusions sur les par eux-mêmes. Donc, oui, la conséquence naturelle est intéressante quand on peut laisser la conséquence agir par elle-même. Oui. Mais ça peut être intéressant, ça peut permettre, dans bien des circonstances, comme parents, de ne pas donner la maudite consigne plate et de laisser un peu les choses. En fait, pour qu'on comprenne bien, là, dans le fond, allez-y, les anti-masques, là, mettons, les anti-masques, si on voulait une conséquence naturelle, il faudrait les enfermer dans une... Longtemps. Mettons, dans le dark web. Oui. Dans un espace, dans le dark web. On les enferme là pendant 2 ans et on les laisse attraper la COVID. Ouais. Et avec on un laisse peu de les conséquences. Et un respirateur. Oui. Et on laisse les conséquences naturelles. On ne le souhaite pas, là. C'est une figure d'exemple. On veut pas. Exactement. Voilà. Mais vous avez compris le principe. Oui. Donc, ça peut être très puissant, la conséquence naturelle. On peut, par exemple, dire à un enfant qui ne ramasse jamais ses casse-têtes, qui travaille, qui fait son casse-tête, qui laisse les pièces tomber par terre, qui ne les ramasse pas. Ben, on peut très bien dire ben, moi, je laisse ça par terre. Puis il va apprendre que c'est pas drôle, un casse-tête par terre. Oui. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va. Ça se pourrait très bien que l'ambiance ne le dérange pas. Oui. Et là, c'est là qu'on amène une twist intéressante qui est la conséquence logique. Ça, c'est vraiment intéressant, puis ça peut être une voie de réflexion pour à peu près n'importe qui sur la Terre qui veut passer son message. Oui. La conséquence logique, c'est quand on ne peut pas utiliser la conséquence naturelle, c'est de trouver une conséquence en lien avec le comportement qu'on veut voir cesser. Oui. Fait que l'exemple de la boîte de casse-tête qui se fait jamais ramasser, ben, on n'est pas obligé d'endurer un bordel. On peut agir. On dit « OK, je la ramasse, la boîte de casse-tête. Moi, je ramasse cette boîte-là qui est un peu toute pétée, mais je la mets de côté, cher Timothée, parce que c'est son nom. Oui. » Et quand Timothée ça tombe bien, parce que je fais une autre parenthèse, mais dans les masques, il y a beaucoup de motets aussi, les anti-masques. Ah oui, des petits motets. Des grands motets, oui. Des grands motets. Fred, ce qu'on fait, c'est que quand l'enfant nous dit « je veux un casse-tête », il se dirige vers les belles boîtes de casse-tête toutes neuves dans lesquelles il ne manque pas de morceaux. Et là, tu dis « non, Timothée, j'ai remarqué comment tu joues avec tes casse-têtes et je t'en ai gardé un pour toi. » Puis c'est le casse-tête un peu magané dans lequel il manque peut-être un morceau. Ouais. Et on le donne à Timothée en disant « ben voilà, c'est avec ce casse-tête-là que tu joues. » Jusqu'à temps qu'il nous dise « ben là, il est vieux puis il n'est pas beau. Ben, » Ah oui, attends. Puis là, c'est là qu'on fait le lien. Mais c'est parce que moi, j'ai peur, Timothée, que tu ne ranges pas bien ton casse-tête. Et quand on ne range pas bien les casse-têtes, regarde ce qui se passe. Oui. Il se passe que c'est beaucoup moins attrayant, la boîte est moins belle, il peut même manquer des morceaux. Et là, plutôt que de juste vous détester, comme s'il avait été simplement puni, si on lui avait dit « plus de casse-tête, Timothée, je range la boîte, c'est fini », mais en fait, Timothée va réfléchir dans sa tête et il va découvrir qu'on vit dans un monde où parfois des adultes sont logiques. Oui. Et donc, il va pouvoir tranquillement, il faut répéter, mais s'adapter. Donc, cette conséquence-là n'est pas une punition. C'est une conséquence qui est logique et elle se défend. Et souvent, en plus, il y a un petit piège là-dedans. Pas un piège, mais une twist intéressante. C'est quand on est éducateur et qu'on trouve une bonne conséquence logique, on est moins fâché parce que ça a du sens. Oui, on fait « mais je t'empêche pas de jouer, mais j'ai une boîte pour toi. Oui. » Puis c'est celle-là. Puis tu as le droit de jouer au casse-tête. Puis si jamais tu es tanné, ben, tu montres-moi comment tu l'arranges bien, celle-là. Puis ensuite, je te laisserai jouer avec un beau casse-tête neuf. Ah. Donc ça, ce sont les conséquences logiques. Oui. Et là, on se demande, Fred, OK, quelle serait la conséquence naturelle pour nos anti-masques? Vous en avez nommé une bonne. Oui. Les enfermer pendant 2 ans. Bon, oui. Puis là, voir ce qui se passe avec le virus. Ce qui est plate, c'est que peut-être bien que si c'était, par exemple, 18 jeunes de 25 à 35 ans, très possible que personne n'ait de symptômes, que finalement, ils se disent « Hey, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. » Plus le fun. C'est même drôle, on a la paix, on n'a pas besoin d'aller à l'école ou de travailler. Dans le fond, Fred, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir leur faire vivre une conséquence logique. Oui.
Et là, on se met à réfléchir parce qu'évidemment que ça ne marchera pas cette idée-là, mais ça pourrait être quoi? Est-ce qu'on pourrait, quand on rentre dans un party et qu'on se rend compte que les gens ne font absolument pas attention, de prendre le nom de tout le monde et ensuite de les mettre, par exemple, sur des opérations de traçage? De faire appeler les gens, de demander aux gens, OK, vous avez été en contact avec telle, telle personne, et se rendre compte que la première personne qu'on appelle a 25 ans et n'a aucun symptôme, mais que la personne d'après qu'on rejoint, elle, a 71 ans, puis elle fait de l'asthme, et ça lui fait peur. Ou encore, les faire travailler comme bénévoles dans des CHSLD où les gens tombent comme des mouches à cause de cette même maladie-là. Ouais. Et l'idée là-dedans, c'est que les gens puissent non pas être simplement contraints, et donc finalement d'abdiquer, mais sans y croire. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir constamment répéter, trouver des nouvelles règles, trouver des renforcements aux punitions. Ce ne sera peut-être pas assez éventuellement. Et c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que les règles doivent être changées pour pouvoir punir ces gens-là. Et les punitions ont une limite. Ouais. Ce qu'on veut, en réalité, c'est que les gens comprennent. Ouais. Et la conséquence logique, évidemment, je ne pense pas que ce soit possible de faire ça. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon idée. Ben, c'est une bonne idée, mais sauf que si on était en Chine, ça serait une bonne idée parce que le gouvernement aurait le personnel sur le terrain pour séquestrer les gens, les obliger à faire du bénévolat, ce qu'on appelle aussi du travail forcé. Mais au Québec, ça ne pourrait pas fonctionner, évidemment. On a des remparts démocratiques. Mais l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de vivre ou de faire comprendre la conséquence. Et quand on fait simplement punir les gens, on passe à côté. Donc l'idée est un peu loufoque. Ouais. Mais ce qui n'est pas loufoque, c'est le fait de prendre conscience de ce qu'il y a derrière la règle. Ouais. Et ça me ramène, vous savez à quoi ça, Fred? Ça me ramène à la Suède. Ah oui, parlons-en de la Suède, parce que justement, les anti-masques, entre autres, les gens qui se posent beaucoup de questions, nous ramènent toujours l'exemple de la Suède. Sauf que je le vois bien, moi, pour suivre l'actualité de façon assez soutenue, que les informations qui viennent de la Suède sont quand même contradictoires et pas toujours fiables, en fait. Sur ce qui se passe pas toujours fiable, et on en a parlé, nous, ici à la balado, puis on avait quand même fait le portrait, on était plutôt enthousiastes, et on avait réalisé ensemble que, dans le fond, il y avait eu un confinement en Suède. C'est simplement qu'il n'a pas été aussi obligatoire et réglementaire qu'ici, de un. Effectivement, le masque n'est pas recommandé. Eux répètent des choses qu'on disait, nous, Fred, au mois d'avril, c'est-à-dire les preuves pro-masque reste à ce jour relativement faible. C'est comme si, plutôt que d'imposer cette mesure-là pour laquelle ils doutent, ce qui est pas niaiseux, Fred, en ce moment. Non, c'est juste que, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire l'expérience. C'est très difficile de le faire. Parce qu'il faudrait demander à des gens de ne pas porter le masque à côté de gens qui portent le masque et d'être exposé au virus et de voir ce qui se passe. Alors évidemment, on préfère choisir l'idée du masque. On pourra tirer nos conclusions dans 2-3 ans à ce sujet-là. Oui, voilà. Mais en Suède, il n'y a pas eu de confinement, mais il n'y a pas non plus, Fred, eu de déconfinement. Il y a eu des interdictions. Oui. Il y a certains décrets, mais pas grand-chose d'aussi appuyé qu'ici. Oui. On s'en est beaucoup... mais le message a été martelé, répété. Il n'y a rien qui a été fermé, ni les écoles, ni les garderies. Je ne referai pas ma chronique, Fred, ce qui m'avait frappé à l'époque. De un, c'est qu'on disait que la Suède avait manqué son coup. Parce qu'ils ont eu 5000 morts et ils ont échappé la balle dans bien des poches de la société, notamment les gens les plus fragiles. Oui. Vraiment, ça ressemble beaucoup au portrait du Québec, vraiment. Mais ce que j'avais retenu, Fred, sur la Suède, c'était la stabilité des mesures. Eux autres, ils disaient, attendez, peut-être que dans le long terme, la stratégie suédoise va permettre aux gens d'être un peu moins épuisés. Oui. Parce qu'on a serré la vis moins au début, mais on la tient serrée au même niveau. Et c'est un choix pédagogique, ça, finalement. Oui, tout à fait. Et là, ce qu'on remarque en septembre, si vous avez lu les journaux, quand je commençais à me préparer pour cet épisode-ci, tout ce que je disais sur la Suède, c'est, mon Dieu, alors que tout le monde en Europe est en train de reconfiner et que nous, ça s'en venait, eux autres sont en train d'ouvrir des sections, des permissions. On peut monter à 500 personnes dans les festivals et compagnie. Oui. Et leur explication, c'est, mais les gens ont assimilé les règles. Ils ne se sont pas fait forcer. Mais là, ils sont capables de garder cette aire d'aller-là. Pardon. Ils disent que c'est possible que ces mesures-là soient prolongées en Suède pendant des années. Ben oui. Des années. Ouais. Et donc, moi, ça m'a influencé, Fred. Et je me suis mis en mode Stockholm. Ah oui. Quelque part, un peu après la chronique, je me suis dit, là, je fais quoi, là? Parce que là, on se remet à avoir le droit de faire plein de choses cet été. Ouais. Cet été, Fred, on s'est un peu déconfiné. Oui. Et j'ai vu pas mal de monde qui ont laissé tomber leur garde. Et puis...
Et le signal du gouvernement, c'était « on permet ceci, on permet cela, on peut reprendre ci, on peut reprendre ça ». Et donc, tout le monde a senti la pression tomber. Oui. Et les gens sont allés se visiter dans les chalets, dans les maisons. Oui. Il y en a eu des gros soupers. Et par chance, à ce moment-là, ben, la prévalence du virus était basse. Mais ces habitudes-là, à quel moment cet été le virus s'est réinstallé, personne ne va pouvoir nous le dire. Mais moi, j'ai fait comme la Suède, frère. J'ai choisi des interventions, des façons de faire oui. pour ma vie à moi, que je me suis vraiment dit, je pourrais les maintenir pendant un an et demi, facile. J'ai été invité dans des chalets, j'ai dit pas de problème, mais on couche dehors avec mes enfants, puis on rentre pour aller aux toilettes, puis c'est tout. Oui. Puis il n'y a pas d'affaire de... Puis j'ai vu une situation, Fred, même chose, tout le monde fait attention pendant 3-4 jours, la minute qu'il pleut, on rentre en dedans. Oui. Puis là, on est 12 à l'intérieur, et sauf qui? Sauf le chroniqueur errant. qui couche dehors avec ses enfants. Mais Fred, c'est ce que la Suède a réussi à faire. Ouais. C'est en gardant des consignes stables, ouais. un peu moins contraignantes, et en mettant l'énergie sur le fait que sa population comprenne le pourquoi et des règles. Et peut-être que c'est une population plus solidaire que oui. d'autres, disciplinée. Oui. C'est très possible, ça. Et peut-être un système... parce qu'il faut quand même le dire aussi, c'est que toutes ces mesures-là actuelles, c'est en fait la résultante de 25-30 ans de sous-financement et de l'école publique et des hôpitaux. En plus. Et, là, le gouvernement, dans le fond, est obligé de sortir le bâton policier, entre autres, pour ne pas que les gens tombent malades. Mm-hmm. Parce qu'on s'entend que le virus n'est pas plus virulent qu'au printemps passé, là. En tout cas. Il est peut-être un petit peu moins. Oui. Il risque d'avoir moins d'hospitalisation. C'est juste que là, le personnel est à bout, le personnel est fatigué dans les hôpitaux, il manque mm-hmm. beaucoup de monde aussi. Et c'est ça, là, quand même. C'est pour ça que, moi, des fois, je suis quand même assez perplexe. J'ai hâte de voir. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se poser des questions. Et on le voit aussi, la présence du Dr Arruda est maintenant accessoire dans les points de presse. Il ne fait que répéter qu'il y a plein de choses mm-hmm. à prendre en considération, que c'est complexe, qu'on ne peut rien déduire. Ouais. Et on a l'impression que c'est pas la science qui parle. C'est le politique qui parle, avec parfois... Ouais. des conseils de la science. Et on a même appris cette semaine qu'il n'y a aucun conseil, il y a aucune recommandation écrite de la santé publique qui a été remise au gouvernement. Ça se fait des réunions, puis après ça, c'est le gouvernement qui dispose. C'est quand même incroyable. Je pense pas qu'en Suède, c'est comme ça. Non, Fred, en fait, quand on lit là-dessus, ce qu'on comprend rapidement, c'est que le politique se tasse, fait un pas de côté et laisse la santé publique arriver avec ses solutions, quitte à ce que ce soit des solutions controversées. Ouais, c'est ça qui est arrivé. La Suède, ils se sont fait accuser de prendre des chances avec la vie des gens, mais c'était la décision de la santé publique et ça a été suivi. Ouais. Mais ce qu'on a fait ici, Fred, finalement, à mes yeux, là, je pense à l'été 2020 du Québec, grand relâchement, on a passé 2 mois, finalement, sans intervenir. Ouais. Et puis maintenant, on resserre les règles trop tard. Oui. Alors, imaginez l'éducatrice qui a laissé le bordel s'installer dans le coin bloc sans intervenir pendant une trop longue période. Oui. Et là, tout à coup, les enfants, on passe en jaune rouge, Fred. C'est comme si on venait de fermer le coin bloc. Oui. Hein? On a dit aux gens... Le fameux coin bloc. Il n'y a plus de meetings, il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de bars, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de cinéma. Oui. C'est catastrophique. Mais... ça fait des semaines, des mois que certains chroniqueurs sonnent la cloche en disant « mais on ne fait pas suffisamment attention ». Et là, tout à coup, on serre la vis. Et qu'est-ce qui se passe, Fred, quand on punit et quand on sort le bâton? Il y a des réactions. Il y a un sentiment d'injustice. Et bien voilà. Et c'est ce qu'on a devant nous. Donc la pédagogie, Fred, même si mon exemple était un peu absurde tantôt, si la population n'adhère pas, puis la seule chose que tu as amenée, c'est des contraintes... on n'est pas sorti du bois, mon Fred. Non, effectivement. Puis on va en reparler. On va faire attention de ne pas trop en reparler parce que les gens sont écœurés, on va se le dire. Mais Fred, puis nous, Fred, on fait attention. Blitz d'info. Oui. Nous autres, je vous ai entendu à Radio-Canada ce matin dire que vous étiez en semi-confinement, finalement, en permanence. Oui. Puis c'est ce que j'ai fait cet été. Oui. Mais j'ai pas vu mes parents très peu. On s'est vus dehors. Puis si les conditions n'étaient pas bonnes, j'y allais pas, Fred. Oui, mes enfants ont été invités à des fêtes. S'il y avait trop d'adultes, on y allait pas. Puis ça me dérange pas. J'ai l'impression que c'est ça qu'il fallait faire. Oui. Puis j'aurais souhaité qu'on soit plus nombreux à le faire. Mais je me suis inspiré de ce que j'ai pu lire, par exemple, en Suède. Fred, l'après-COVID arrivera un jour. Ah, et je veux me réserver, si on est capable, dans chaque chronique, un petit 2 minutes sur quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Oui. Fred, ça fait 10 ans... Êtes-vous en train de me dire que vous faites maintenant du journalisme de solution? Ça, c'est la nouvelle mode? On ne relate pas juste les faits, on apporte des solutions.
Écoutez, c'est un mode de vie, hein, les solutions, oui. Sans blague. Oui. C'est, si on fait juste fixer sur ce qui va mal ou sur le bobo, on oublie toute la belle peau sans bobo qu'il y a autour. C'est vrai. On prend juste au bobo et on le gratte. Vous êtes un passionné de solutions. Absolument, oui, tout à fait. Même si je fais partie de ceux qui peuvent bien, bien se faire aspirer par les problèmes. on pourra en reparler. Donc, mais, Blitz! Les premiers travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne bleue ont commencé. Ah, mon Dieu! À Saint-Léonard, dans l'ouest. J'étais pas au courant. Dans l'est, pardon. Oui. Eh oui, les premiers appels, ils ont déplacé 3-4 rallonges, là, oui. Puis ils ont branché un condensateur quelque part. Et ça, mais c'est quand même commencé, oui. Et ça devrait être terminé pour 2026. Oh là là. Donc, un peu après la fin de la pandémie, là, selon ce que je comprends. Si on reste dans l'est de Montréal... Oui. Saviez-vous, Fred, ça fait 10 ans que la raffinerie Shell de Montréal-Est a fermé ses portes. Ah oui, déjà? Oui, ça fait 10 ans, ça, j'aurais pas cru. Non. Et Shell, j'ai lu ça la semaine passée, songe à implanter une usine de biocarburants avancés, donc pas des carburants fossiles, des carburants comme l'éthanol. Ah oui? Et l'éthanol, dans ma tête, ça a une connotation négative. On fait pousser du maïs pour finalement le transformer en liquide pour faire rouler des chars. Oui. Et c'est assez limite. Par contre, en réfléchissant, je comprends un truc. C'est que si, évidemment, on fait, et c'est le cas dans certains pays, on fait brûler des forêts pour ensuite planter du maïs et faire de l'essence avec de l'alcool, en fait, qui va être aigré à l'essence. On n'est pas gagnant. C'est assez limite. Ouais. On n'est pas gagnant. Tandis que, Fred, l'éthanol, c'est quand même intéressant pour une chose, et ça vaut la peine de le comprendre. Le problème du pétrole, c'est qu'on sort du carbone qui était caché dans la terre, oui. Qui n'interagissait pas avec l'atmosphère. Et là, une fois qu'il est libéré, il n'y a rien à faire. Tandis que le maïs, lui, qui n'existe pas au printemps, en poussant, saisit du carbone de l'atmosphère, en capte dans son épi savoureux, oui. Et ensuite, on le fait réagir. Je pense que c'est une digestion enzymatique qui se fait, une hydrolyse. Oui. Et là, on crée un carburant qui va être ajouté à l'essence puis qui va être ultimement libéré dans l'atmosphère. Donc, le carbone a fait un cycle et il n'a pas été un nouveau carbone libéré. Ça, c'est plus intéressant. Bien imparfait. Oui. Mais c'est bien imparfait, oui. Et ce n'est pas une solution. Mais par contre, cette usine-là a un deuxième volet qui, ça, m'intéresse beaucoup, puis on en reparlera une autre fois. Oui. On parle d'exploiter l'éthanol cellulosique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est fait avec des résidus de bois. Donc, par exemple, si on abat une forêt pour en extraire les essences économiquement rentables, pour faire du papier, pour faire des meubles, etc., il y a toujours, toujours des résidus forestiers qui vont là et qui sont gaspillés. Et là, on pourrait installer en région de telles usines ou encore en ville pour récupérer les résidus Le brandy urbain. Exactement, mais je ne sais pas exactement ces résidus-là, qui ne sont pas des résidus compostables, qui ne sont pas recyclables non plus et qui ne sont pas des déchets, mais c'est une catégorie de résidus citadins qui pourraient être transformés sur place à Montréal en éthanol cellulosique et sur le plan énergétique, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Oh. Et j'ai commencé mes recherches assez pour savoir que ça pourrait être beaucoup plus compliqué que ça, mais de savoir que l'étape suivante, c'est que Shell songe à construire une raffinerie, en fait, une usine de production qui pourrait éventuellement recycler des produits de la ville et en faire un combustible renouvelable. Oui. Eh bien, ma foi, ça me donne espoir. Tout à fait. Et surtout, si en plus, cette raffinerie est connectée avec la ligne bleue. Exactement. Les gens pourront aller travailler en métro. Pour aller faire du biocarburant, c'est extraordinaire. Exactement. Oui. Alors voilà, Fred, il y a un espoir au bout de la ligne bleue. Ah! Merci, Godfrey. Vous êtes un marchand d'espoir. Je suis bien content de vous avoir trouvé. Je pense que les auditeurs aussi vont être bien contents. Tabarouette. Puis, Oui, puis on va se... Ben, faites attention à vous encore cette semaine dans votre sous-sol, dans votre quartier mort de l'Université de Montréal. Et, peu d'étudiants. On se retrouve la semaine prochaine et on va vous trouver un petit ID là, avec Larry, le réalisateur. On va se faire un petit ID Blitz God Nouvelle. Corona 19, celui-là, je le laisserai partir. Ah, non, Corona 19. Voilà. Ça, c'est fini. 19. OK? Au revoir. D'accord? Bye. Alors voilà ce qui conclut ce premier épisode de la saison 3 de la balado. Je suis très, très content
de cet épisode, de repartir, de reprendre le collier. Alors, je remercie évidemment Hélène, God, André-Anne Bissonnette, Julie Pierre-Nadeau, notre invité également, Alexandre Poulain, et son livre « Un désir d'achèvement », qui est disponible aux éditions Boréal. D'ailleurs, on va mettre toutes les références pour que vous puissiez vous procurer ce livre sur la page Facebook de La Balado. Je remercie Jacques Duchesne qui m'a donné un sale coup de main sur le site Internet. Je vous parle toujours du sentiment de communauté que je veux créer avec cette balado-là. Ben, ça, c'en est un bon exemple. C'était un auditeur qui avait des compétences et qui voulait participer au projet de cette façon-là. Donc, merci, Jacques. Je remercie également Andréane Obansawin aux médias sociaux qui me donne également un gros, gros coup de main. Et surtout, merci pour ses opinions tranchées sur mes idées. Elle, c'est assez clair quand elle aime pas une idée ou qu'elle aime une idée. Puis ça c'est vraiment super important dans un projet comme celui-là, qui n'est pas de flagornerie. Merci à Larry Dufresne qui co-réalise avec moi les épisodes et qui lui aussi m'apporte ses lumières et ses conseils et son expérience. Je remercie évidemment tous les donateurs. Vous êtes plus de 400 à peu près qui ont déjà participé à la campagne. J'aimerais s'en avoir 1000 cette année. L'année passée, j'en avais eu 700. On verra. Mais le bassin s'agrandit. Le bassin d'auditeurs s'agrandit et le bassin de donateurs et de donatrices s'agrandit aussi. Donc, merci beaucoup. La semaine prochaine, on verra qui sera là. Hélène Faradji, God vont être là, c'est certain. Pour les autres chroniques, je ne sais pas encore. Il faut que j'écrive à mes collaborateurs pour voir qu'est-ce qui les inspire. Mais on aura Patrick Doucet qui va venir. Patrick Doucet, c'est un professeur de psychologie au collège Marie-Victorin. Et il a écrit un livre qui s'appelle « C'est tabou tenace », livre sur, en fait, le sous-titre, c'est « La masturbation, la pornographie et l'éducation ». Donc, je suis en train de lire le livre. Au début, je n'étais pas sûr, je dois l'avouer, mais je pense qu'il y a une réflexion intéressante à avoir avec Patrick Doucet. Donc, il a accepté de nous accorder cette entrevue. Ça sera notre invité la semaine prochaine. Alors, voilà. Passez une bonne semaine, faites attention. Allez aux pommes dans votre bulle familiale, ce que je ferai tantôt. Après cet épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.